grand jaune. Marchandise. Il n'y a pas de panneau. Eh bien, bonjour. J'ai vu quelqu'un qui disait que j'avais l'air bien énervé. Je crois que ouais. Ah, écoutez, faut bien un petit peu... voilà, quoi. Bon, j'espère que vous allez, toutes et tous, pas trop mal. Voilà. Moi, j'ai toujours mal à la gorge. Enfin, moins, c'est juste quand je parle, mais... et je tousse toujours. Mais pour le moment, c'est tout. Profitez-en, ça va peut-être pas durer. Calmez-vous, calmez-vous. Quel délice, ces musiques Zelda. Ah! Alors, cette musique n'a rien à voir avec Zelda. Désolé. C'est toujours l'OST de A Short Hike qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Mais je vais jouer à Animal Crossing. Voilà, c'est un jeu que je n'ai jamais testé, jamais touché. J'ai toujours pensé que... Enfin, j'étais jamais vraiment attiré par cette licence. Mais en fait, de voir tout le monde dire que c'est trop bien, je me dis, mais je passe à côté d'un truc. Enfin, il y a quelque chose, tu vois. Faut que je teste. Voilà, on va tester, je ne promets rien. Je pense pas que je vais détester, hein, de toute façon, je vous l'avais déjà dit. Enfin, c'est rare que je tombe sur vraiment un truc que je déteste. Tu cèdes aux sirènes de Tom Nook, ouais, je pense, ouais. Tom Nook, c'est celui qui demande plein d'argent tout le temps, je crois. On va voir. Peut-être que ça va pas me plaire, peut-être que ça va me plaire, mais pas plus. Peut-être que je vais kiffer et ne plus jouer qu'à ça pendant les 3 prochaines semaines. J'en sais rien, voilà, on verra bien. En tout cas, c'est un jeu... Oh non, pas la musique triste. Elle est belle, mais elle est triste. C'est un jeu lent, c'est un jeu du farm, c'est un jeu très calme, donc ça va être un jeu sujet à papotage. Voilà, une fois que j'aurai appris les bases, je pense qu'on pourra papotager. Alors comme d'habitude, vous avez l'habitude, hein, vous avez l'habitude sur YouTube, le chat sera réservé aux sponsors. Oh merci pour cette mimolette, 5,49 le code de la mimolette. Juste pour te dire que je te suis depuis très longtemps. Merci à toi, merci beaucoup. Colline, j'imagine. J'espère que je prononce bien.
papotageons, voilà, c'est ce qu'on va tenter de faire. Donc vous avez le double stream, vous pouvez aller sur Twitch si vous voulez continuer à papoter. Vous pouvez aller sur Twitter et sur Instagram si vous voulez quelques posts sur les réseaux sociaux, bien que je n'ai rien mis sur Instagram depuis moult jours. Je ne sais pas trop quoi mettre sur Instagram, surtout que en fait je suis enfermé chez moi depuis une semaine. Ah non, pardon. Ça fait 10 ans que je suis chez moi. Pardon. Bonjour Xivarel. Bonjour. Bonjour et merci à toi. Merci beaucoup. Pourquoi je sens que le nom de l'île sera mémorable? Il faut un nom d'île. Et on me prévient que maintenant. Putain, moi il me faut une semaine pour comprendre ça. Oh là là, s'il faut un nom d'île, je ne sais pas. On verra au moment où ils demanderont ça. Déjà, j'ai peur pour la personnalisation du perso, donc... voilà. Donc, je vous propose l'activation du chat sponsor pour YouTube, pour la première étape. Voilà. Bien prononcé. Ah, merci beaucoup, Colin. Ça fait plaisir que je... J'allais dire que je chope du premier coup, mais... C'est peut-être rapide. Voilà. Donc, activation... Bien énervé, hein. Ouais. Bien énervé, je trouve. Hey, et le jeu est sur Instant Gaming, hein. Est-ce que j'ai pas oublié le truc principal? Le jeu est sur Instant Gaming. Vous pouvez aller checker dans la description de ce live, machin. Enfin, vous cliquez sur les liens, vous allez acheter... Oh là là, bref. Instant Gaming, etc. Vous êtes bien nombreux. Vous êtes bien nombreux pour 17h, que se passe-t-il? À croire que vous êtes tous chez vous. Où est mon son des rires? Bref. Bonjour à vous les sponsors, Crazy Mofu, Mathieu Black, Picture qui était là, toi nous slash toi nous. Oh là, c'est parti si vite. Saveriu, coucou. Je suis triste qu'il n'y ait plus Animal Crossing sur l'Instant Gaming. Oh non. Non, ça revient tout le temps. Vous savez, moi, je l'ai pris sur Instant Gaming et il était marqué hors stock. J'ai recliqué 2 minutes après et c'était bon. Là, pour moi, il est en stock, tu vois. Tu recliques, recliques. En prenant mon lien, bien sûr, évidemment. Vous savez ce qui manque sur ce Stream Deck? C'est un son de tiroir caisse, tu sais. Un truc... Chaque fois que tu fais une remarque sur l'argent, tu vois, genre, prenez mon lien, puis tu mets cling cling, comme ça. Une pluie de pognon. Catching, oui, c'est ça, c'est ça. Merci. Bienvenue, Vapologie, bienvenue à toi. Bonne découverte, merci, l'Instit, coucou à toi aussi. Faudrait peut-être que je prévois ça. Et Agathe, re-bienvenue à toi. Est-ce qu'on est prêt là? Est-ce qu'on est prêt? Je sais pas si on est prêt. Le son de Terry. Genre quand il dit thank you, comme ça, ou alors vraiment il y a un bruit d'argent quand il... J'ai pas dit bonjour à Twitch, je crois. Hein. J'ai vu Marauder, j'ai vu Aoko, il y a Rose... Otaku... Oh la merde. Voilà pourquoi je dis pas bonjour. Rose. Rose. Voilà. Bonjour à Rose. Aïe, 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 et du coup, tout le monde spam. Je vois Fanou. Ok. J'ai eu Fanou. J'ai eu Tintin. J'ai eu Nono. Voilà. Quand il y a 2 syllabes, ça passe bien. Skyplay. La vie est constituée de moche. Kuro. Rara. Rick Antonet. Et je pense qu'on peut s'arrêter sur Rick Antonet. Désolé pour vous toutes et vous tous que j'ai mal lu, que je ne lis pas parce que tout va trop vite. Bienvenue à Mizu Gushi. Mizu Gushi. Bienvenue. Les gros piliers, il y a toujours des bons gros piliers. Allez, on commence. Parce que alors, les gens, ils veulent voir du Animal Crossing, après ils sont très énervés. Préparez-vous, la luminosité maximale arrive. Alors, c'est pas du tout Animal Crossing, mais c'est pas vrai, c'est pas le vrai problème. C'est pas le vrai problème. J'ai mis la lumière... Bleu
bleu des îles, tu vois. D'ailleurs, le t-shirt aussi est un petit peu... Voilà. Non, j'ai mis sur le jeu pour pas que ça mette ma console en veille. On va couper la Zikmu. Voilà. Bleu tropique. C'est ça, c'est bleu tropique. Voilà. Et du coup, je crois que je l'ai mal écrit là-haut. Je crois qu'il y a un S à horizon. Us. C'est bon là? Animal Crossing New Horizons. C'est good. Il y a une grosse moto qui vient de passer. Putain, on a dit restez chez vous, bordel. C'est dingue. C'est parti. C'est parti, je me lance. C'est ma première partie sur ce jeu, sur toute la licence Animal Crossing. En avant. Vous allez quitter le logiciel. Je quitte le logiciel. Bienvenue M2Duse. Bienvenue Méduse. J'arrive au bon moment. Pile, 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 pile. J'appréhende, j'appréhende. Je sais pas pourquoi. Je ressens pourtant une certaine excitation. Tu vas être surpris. Tu peux pas avoir le jeu avant 3 semaines. Aïe. Ah ça, quand on attend un jeu et qu'on te dit dans 3 semaines, ça fait mal, oui. Vous me direz pour le son du jeu, si c'est fort, si c'est pas assez fort. Si les personnages vous crient dessus. Avec leur petite voix. Bien le bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir ici. Un très grand plaisir. Tout d'abord, félicitations, tu as fait le bon choix en t'inscrivant à cette aventure. Bah, il paraît, tout le monde m'a encouragé. Ensuite, bienvenue au guichet d'enregistrement dédié à la formule évasion île déserte de Nook Inc. Coloquinte, 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 coloquinte. Eh, coloquinte! Coloquinte, ce serait pas tout à fait le nom de l'île en fait, coloquinte quand tout va bien? Chaque chose en son temps. Laisse-nous faire les présentations. Je suis Mélie de Nook Inc. Mélie, ok, Mélie. Et Mélo, bien sûr. Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à t'installer. Considère-nous comme tes compagnons de voyage, on va faire un bout de chemin ensemble. Commençons. Tout d'abord, jetons un œil à ton inscription. Il nous faudrait ton nom et ta date de naissance, c'est important. Ah bah ça y va déjà, allez, vas-y, balance déjà les infos. Ouais, je sais pas, coloquinte, ouais. Ouais, regarde, le nom est définitif en plus. Putain, t'as rien, t'as pas le... Tu vois, j'ai déjà la pression là. Comment je mets en majuscule? B. Ah, oh, c'est rigolo. Ok. Oui, j'ai choisi Brioche. Tout le monde doit pouvoir se sentir bien. Alors n'inclut rien de personnel ou d'offensant. Oh, est-ce qu'on peut être offensé par une brioche? Je sais pas. The Big Gaël. Je remercie le coronavirus pour ce corona vacances. Ce n'est pas des corona vacances. Méfiez-vous de vos termes parce qu'il y a des gens qui croient vraiment ce genre de choses. Hein. Je me doute que tu plaisantais, mais attention. Je peux enfin revoir tes live cœurs sur toi. Bon courage, surtout. Attention, hein, les gens qui se croient en corona vacances et qui vont sur la plage là. Bad move, vraiment. Et Darkiller, coucou, j'approuve l'île coloquinte. Oh là là, vous êtes chaud comme la braise là aujourd'hui. Jessica, bienvenue à toi. Bon, vous êtes offensé? Parfait. Date d'anniversaire. Ma date d'anniversaire, elle est pas compliquée, c'est 0102. Comme Anne-Claire Coudray. C'est l'information dont vous aviez besoin. Te voilà. Ensuite, il nous faudrait une photo de toi. Ah bah, t'en fais pas, prends tout le temps dont tu as besoin pour te préparer. Nous attendrons que tu aies fini. Merci Émilie et Théo. Joyeux bonheur pendant le confinement. Bon courage à vous et merci. Merci, merci. Ah.
Alors, le villageois ou une bonne villageoise? Villageoise, elle... elle rappe en bouche, hein, la villageoise. Ok. Ah bah voilà, bah c'est mal barré, tu vois déjà. Ça, c'est un des trucs qui m'avait toujours un petit peu rebuté. C'est le chara-design. Ah, c'est pas vrai qu'il y a ma mère qui m'appelle. Putain, elle, attend, elle est toujours là, dans les bons moments. Je reviens, hein, je suis désolé, c'est important. J'arrive. J'arrive, hein. Réfléchissez à votre situation. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Désolé pour cette interruption. J'ai le téléphone qui sonne et qui doit être décroché. Voilà, désolé. Ce sont les pires yeux... Quoi ? Ok. Bon, ok, ok, reprenez. Reprenons, reprenons. Et je crois qu'il y a Crazy Mofu qui a fait un soutien entre-temps, non ? Je devrais pas être là. Pas me faire spoil. Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce qu'on peut vraiment se faire spoil sur ce jeu? Je ne sais pas. Alors, niveau couleur de peau, je pense qu'on peut s'approcher d'un... blanc. Je crois. Faut changer ses yeux tout de suite parce qu'il me stresse beaucoup trop, là. Ah, ceux-là, ils me font rire, j'aime bien. Quand je pense que ça fait un mois que j'ai précommandé le jeu et que je ne peux pas aller le chercher en magasin... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, vous êtes chaud comme la braise, là, sur les soutiens. Merci énormément, hein. Faites attention à votre argent, surtout en ce moment, hein. Gardez-le, peut-être. Et Rolosta, merci. J'adore ce jeu, j'y joue depuis hier soir, j'espère qu'il te plaira aussi. Merci pour ce soundboard qui nous fait patienter. Ça roule 91, merci à toi aussi qui utilise Tipeee Stream. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bon, je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux que je prenne? En vrai, j'aime bien ceux-là. Hein. Ou peut-être ceux-là. J'aime bien une couleur un peu plus comme ça. C'est un petit peu basique peut-être, mais au moins déjà... Il y a 8 coupes de cheveux.
Écoute bien les dialogues, si tu es fort, tu entendras qu'ils sont doublés en français en accéléré, d'accord. Il y a beaucoup plus par la suite, je crois. Ah, je vous plais comme ça. Ouais. On peut modifier plus tard, d'accord. Bah, j'aime bien les petites frites sur la tête. J'aime bien. C'est quoi ça que je change? Ah oui. En blond les frites. Attendez. Yes. Non. J'étais comment avant? Ah oh bah voilà, vous m'avez perdu. C'était comme ça? Je sais pas trop. Ouais, ça me convient plus tard. Ça me convient plus tard. C'est-à-dire que ça me convient et je pourrais changer plus tard. Super. Je crois que tout est prêt. Oui, tout. Je vais ajouter cette photo à ton dossier. À présent, passons aux choses sérieuses. Parlons de ton nouveau chez-toi où tu vas habiter. Tu vois, on n'est pas peu fiers. T'as voir si j'essaie d'écouter le dialogue. Oh, faut être chaud hein, pour entendre. Faut être chaud. Bienvenue, Miss Cookie. Ça me convient plus tard. Résumé de ma vie. Si tu veux, même les saisons peuvent être celles auxquelles tu es habitué. Là où je veux en venir, c'est qu'on a des îles dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Ton île devrait avoir les mêmes conditions saisonnières que ta maison actuelle. Ouais. Dis-moi, Brioche, où habites-tu en ce moment? Là, maintenant? En Europe. Excellent! En tenant compte de ces informations, on va pouvoir trouver une île idéale pour toi. Si nos conclusions sont exactes, tu devrais trouver ton bonheur sur une île de l'hémisphère nord. Eh bien, wesh, les gars. Il reste plusieurs choses à finaliser. Mais est-ce que notre proposition te convient jusqu'ici? Ok. Nini Manchot! Coucou. Dernier petit nom pour ma part, pour un petit moment, parce que rip mon job, bah pas de soucis, t'as bien raison de faire attention à ça. Merci pour ce stream qui me fait découvrir assez. Merci de nous offrir une agréable distraction en ce moment de confinement. Bah j'espère que ce sera distrayant, ça se trouve. On ne sait pas. Nous avons tout un tas d'îles paradisiaques inhabitées disponibles dans l'hémisphère nord. Dis-toi bien que toutes nos îles ont approximativement la même taille et sont, pour ainsi dire, vierges. Alors ne te soucie ni de la place, ni des commodités. Il n'y a pas de mauvais choix. Suis simplement ton instinct et choisis-en une dont la topographie te plaît. Je vais te montrer plusieurs cartes et tu vas pouvoir choisir celle qui te correspond le mieux. Alors, la topographie... Oh, il y a une espèce de lac petit cœur ici, non? Regardez. J'aime bien. Ouais. Topographie toi-même. Je pense que le petit lac cœur me plaît bien. Je vous laisse, je vais pas me spoil des bisous. Merci, Alex. Bye bye. Allez, on va prendre le lac cœur. Quelle merveilleuse décision! Il nous tarde de te la montrer. On a hâte. Une dernière question juste avant de partir. Ah là là, ils te tiennent, hein! Si tu pouvais emporter une seule chose avec toi sur une île déserte, qu'est-ce que tu choisirais? Sac de couchage, une lampe, de la nourriture, de quoi m'occuper. Très intéressant. Bye bye, Crazy Mofu, merci encore.
Non, j'ai pas pris nourriture parce que je pense que on va vite s'ennuyer si on n'a pas de quoi s'occuper, non? Je sais pas. J'ai fait à l'instinct comme ça. Désolé, c'était juste une question sans arrière-pensée. Tous tes besoins de première nécessité seront pris en charge par Nook Inc. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un message d'intérêt, j'ai pas vu la suite. Le vol affrété pour la formule évasion île déserte de Nook est prêt à l'embarquement. Ok, on va prendre la porte. Allons-y, c'est l'heure d'embarquer. Bon, c'était l'intro. Ça nous a pris déjà une bonne heure, hein. Non? Bonjour tout le monde. Merci d'avoir pris place à bord de ce vol affrété par Nook pour notre formule évasion île déserte. Mettez-vous à l'aise, profitez de notre vidéo d'introduction à la vie sur une île déserte. Une grosse mouche. Oui, écoutez, ça a l'air très calme, très détente, très relax. Alors que Picture partage un lien pour Instant Gaming dans les chats du live. En fait, c'est la fin avec les flashbacks, ouais, je vois. Générique. Catching. Mince, il me faut. En plus, j'ai un bouton là. Tu vois, il n'y a rien dessus. Nous y voilà. Je sais que vous devez trépigner d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île, mais nous avons une toute petite faveur à vous demander. Tu vois, ça commence. Le mauvais plan commence. Genre, allez, île déserte, tranquille. Oh, une toute petite faveur. Ah, si vous pouviez me faire ça avant de vous laisser partir. Nous ferez-vous le plaisir de vous joindre à nous pour un rapide séminaire? Oh, rien que le mot. Notre chef bien-aimé et intrépide va vous faire un petit discours. Vous ne voulez sûrement pas rater ça. Je me sens embrigadé dans un truc, tu sais. Nous y allons de ce pas. Vous n'avez qu'à nous suivre à l'aide de elle. Avec cette démarche, les bras en arrière, comme ça. Bon, j'aime bien le décor, tout ça, mais c'est vraiment le design des personnages humains qui m'a toujours un peu dérangé. Bienvenue, Nerdizum. Tu es maintenant une baleine. Tu étais déjà une baleine. Re-bienvenue. Bonjour. Ah, c'est lui, du coup, Tom Nook, je crois. Comment j'ai lu ton pseudo, du coup, Nerdizums? Nerdizums? Vous avez vu des oranges? Aïe 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 aïe, vous avez déjà vu plein de choses. Vous. Est-ce que tout le monde est là? Voyons voir. Chavrina. Napoléon. Et Brioche. Parfait, nous sommes au complet. Je vous passe la main, Mr. Nook. Nos trois aventuriers n'attendent plus que vos instructions. Je croyais que c'était une île déserte. Pourquoi j'ai déjà des potes avec moi, là? Parfait. Par où commencer? Donc lui, c'est le parrain, en fait. Hein, on est d'accord, c'est le plus haut gradé du truc.
C'est lui qui pèse, je crois. Bienvenue, bienvenue sur votre nouvelle île. Ils ont volé avec toi. Ouais, mais moi je voulais une île à moi, tu vois. C'est le boss. Ok, c'est bien le boss. Hein. Je m'appelle Tom Nook, je suis le fondateur et le président de Nook Incorporation. Aujourd'hui marque le début de votre nouvelle vie dans cette magnifique île encore inexplorée. Félicitations. Mais n'en oubliez pas pour autant les conditions du contrat. Tu vois, le contrat séminaire. Ouf. De l'évasion île déserte. Ainsi, le personnel de Nook sera toujours à votre disposition pour vous assurer confort et sécurité. Chaque chose en son temps, oui, oui, oui. Pour l'heure, je demande à chacun d'entre vous de choisir un emplacement pour lui seul. C'est la première étape de la création de bases solides pour votre nouvelle vie. Voyez les choses en grand. J'ai des relations dans le domaine de la construction, de l'habitat. Je m'emballe. Et si nous commencions par une simple tente? Récupérez votre tente auprès de Méli ou Mélo et placez-la ensuite à l'emplacement de votre choix. Bien. Pour avoir les résultats avant de la placer. Faut assez de place pour être à l'aise chez toi. Je pense me mettre vers le lac cœur pour voir si c'est bien. Au travail. Tu vois, je me sens exploité déjà. Je sens que c'est un mauvais plan, hein, cette, cette île. On va m'exploiter pour... pour construire. Tu peux pas ramasser des trucs? Moi je vois tout le monde ramasser des herbes et des branches. Comment je vais au lac cœur? Je peux pas aller au lac cœur, non? Je crois que je peux pas. Oh. Là, il y a un petit peu de place. Oula. En plein milieu, bon, en plein milieu, quoi. À la place du rocher, là, tu vois. Mais j'aime bien l'idée d'avoir l'eau à côté de moi. J'imagine qu'on peut déplacer plus tard notre truc, hein, mais... trop près de l'eau. Oh, quel relou. Imagine. Oh bah elle est mignonne ici. Moi j'aime bien. Regardez-moi cette joie. Premier pas important pour débuter ta nouvelle vie. Très bien. J'essaie de ramasser. J'ai pas du courrier. Il n'y a rien de nouveau. Il a encore besoin de toi, reviens plus tard. Voilà, vous voyez, on est exploité. Je conclus de ta mine réjouie que tu as trouvé un emplacement pour ta tente. Tu es le premier, les autres doivent encore être à la recherche du coin idéal. Oh mais les autres ils réfléchissent trop, vous savez, faut y aller direct comme ça. Hein. Moi je voulais être à côté de la rivière, paf! Et voilà, pas besoin de réfléchir 10 ans. Je crois qu'il serait ravi de bénéficier de l'aide de quelqu'un ayant déjà exploré les lieux. Ah les relous, tu vois, mes voisins, je suis pas sûr de les apprécier. Pas sûr. On verra, hein. Peut-être que je me trompe. Des fois, on a des mauvaises a priori. Hein. Le problème, c'est que l'île, elle est grande, mais on peut pas traverser la rivière. Ah, Napoléon s'est posé ici. Yo,
Ravi de te rencontrer, œil agile. Ouais, j'ai déjà installé ma tente, ouais. Ouf, son truc, c'est les exercices de cardio. C'est pas trop mon dada. Je vais avoir besoin de beaucoup de place autour de moi. Je pense que cet endroit devrait faire l'affaire, mais j'hésite. T'en penses quoi? Écoute, t'es plutôt bien loin de moi. C'est pas mal. Ouais, écoute, ça passe, hein. Au nom du sport. Ok. Ah non, j'ai cru qu'il allait me donner un truc. Moi, je vois, tiens, tu sais, genre, petite récompense. Ça se trouve, elle a autant de mal, ouais. On va aller voir Chevrina. Par contre, Chevrina, regardez ça. Tu vois, elle est un petit peu trop proche de mon coin, là. Hein. Regardez, on voit mon coin, là-bas. Donc, t'as un très joli pull. Tout va se jouer au moment où on va lui parler, si son doublage me plaît. Il me plaît pas. Ok. Chevrina. Je crois qu'on n'a pas fini de se fendre la poire sur cette île. Mon moulin. Mon moulin. T'as trouvé un coin sympa où planter tes sardines, pas vrai? Je comptais sur mon pif pour trouver l'endroit idéal, mais d'après mon pif, tous les coins sont idéaux. J'allais pas gamberger sur la question pendant 107 ans, alors j'ai balancé une caillasse au hasard. Elle est peut-être pas si mal, en fait. Elle est tombée ici, alors boum, je m'installe. T'en dis quoi? C'est pas trop chelou comme système? Écoute, finalement, elle est un petit peu sur la même ligne éditoriale. Tu vois? Genre, oui, on y va, quoi. On va s'installer, puis voilà. Donc, tu peux rester. Mon moulin. On est sur la même longueur d'onde, tu vois? Pas mal, hein? Ouais, ouais, c'est pas mal. À partir de maintenant, ce sera plus un coin paumé sur une île. Ouais, c'est difficile à lire, ça. Ce sera ma turne rien qu'à moi. Ça fait un peu... Merci, mon moulin. Tu sais, la vieille un petit peu entreprenante. Et merci, mon moulin. Allez. Tu passeras dans ma tente tout à l'heure. T'es en train de me dire que t'as aussi filé un coup de patte à Sgus pour planter sa tente? T'as le cœur sur la patte, toi. Faut pas te baratiner. À la base, j'avais un peu les jetons qu'on soit pas assez nombreux. Mais avec toi dans les parages, je crois que je vais pouvoir roupiller sur mes deux oreilles. T'inquiète. T'inquiète, Babette. Merci, Pauline, pour cette merveilleuse golden pêche. Les autres doivent nous attendre. Faut qu'on se bouge pour aller sur la place. J'allais dire plage, mon moulin. Écoutez, finalement, je l'aime bien. Voilà. Je l'aime bien. C'est pas mal. J'espère que vous avez tous trouvé un bon emplacement où monter votre tente. Vous verrez. Vous vous sentirez bientôt comme chez vous. Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses. Ça fait pas plusieurs fois qu'il dit on passe aux choses sérieuses comme ça. Savoir une grande fête sur la place pour pendre dignement la crémaillère insulaire autour d'un feu de camp. Il va d'abord falloir rassembler un peu de matériel. Puisque nous vivrons ensemble sur cette île, profitons de l'occasion pour apprendre à travailler ensemble. On va aller récupérer du petit bois. Mélie, Chevrina, Mélo et Napoléon s'occuperont des préparatifs sur la place. Tandis que Brioche et moi, nous irons chercher des tas de bûches, ainsi que de menus victoires. Chacun sait ce qu'il a à faire. Au travail. Tu vois, moi je trouve qu'on n'est pas trop dans l'île déserte vacances, là. Au travail, machin, direct. Peux-tu venir me voir un instant? Je voulais juste récapituler ce qu'il nous fallait pour le feu de camp. Je pense qu'une dizaine de branches d'arbres devraient faire l'affaire, tu en trouveras un peu partout sur l'île. Quand tu en vois une qui traîne sur le sol, appuie sur Y. Ah, c'est Y pour ramasser, j'ai jamais appuyé sur ce bouton.
Je vais examiner un peu ces 6 milliers oranges. Comment ça, 6 milliers oranges? Je ne serais qu'à moitié surpris si c'en était des vrais. Ah, c'est le coucher de soleil, là. C'est joli. Et voilà, on peut ramasser. Allez, le vrai jeu commence, là. Merci, la petite Missy. Est-ce que je peux ramasser? Oh, je ramasse des cailloux. Ah, c'est parti. Je ramasse. Je vais te dire, on peut faire le nettoyage autour de la tente, hein. Ça évitera... Ça évitera. Regarde là-bas. Il y a un espèce de trou. On dirait qu'il faut creuser comme dans Short Hike. Inventaire? Inventaire. J'en ai 6. J'ai l'impression que Assistock est bien énervé. Vous avez énervé les modérateurs? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas vous tenir, hein? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans ce chat Twitch pour que Assistock soit saoulé? Ils sont relous aujourd'hui. Ah bah alors écoutez, vous sur Twitch, parce qu'en général sur YouTube, c'est quand même très calme. Calmez-vous, tout va bien, je découvre de mon côté, vous n'avez pas d'astuces à me donner, vous n'avez pas à me dire quoi faire, vous n'avez pas à me dire comment nommer mon île. Voilà, vous êtes là, vous vous installez, et c'est tout. C'est tout, en fait. Tout va bien. Sors le fouet, c'est ça? Bah, peut-être, hein, si les gens sont relous, vous faites un petit time-out pendant 3 heures, et puis voilà. Hein. S'ils sont vexés comme des poux, ils reviendront pas. Et puis voilà. Merci Pikachal. Bonjour au passage, ça fait longtemps que je n'étais pas venu sur l'un de tes streams, bien merci à toi. Merci d'utiliser Tipeee Stream en plus. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je rappelle que si vous êtes arrivé entre temps, que c'est la première fois que je joue à un Animal Crossing. Branche d'arbre. On peut encore se casser. Dodo Airlines. Je sais pas si j'aurais confiance dans un truc dont le nom de l'entreprise contient le nom d'un animal disparu. Bon, c'est quand qu'on pêche, hein, les choses sérieuses là. Inspirer le bon air, expirer le mauvais air, tout à fait. Sur YouTube, on est toujours sage et calme. Pas toujours, hein. Ah, j'ai déjà vu des gens bien énervés. Mais ils se font recadrer, et puis voilà. Ouais, ils courent les bras comme ça derrière. C'est discutable comme technique. Mais ça respire, tu vois, voilà. L'insouciance. Voilà, j'allais dire inconscience et je trouvais pas ce que je voulais dire. Insouciance. Je fais le tour quand même, hein. Je récupère plus. Alors du coup... Ah... 6 000 oranges ou orange? Orange, point d'interrogation. C'est ça. On ne sait pas. Coucou Tsunamax. Korafuté vous salue. Je fais mon petit ménage, hein. Hors de question que Napoléon et la vieille Chavrina prennent mon bois. Qu'est-ce que tu veux, toi?
trouves des branches d'arbres au sol ou en secouant les arbres, ramasse-les. Elles seront parfaites pour préparer notre feu de camp. Genre, je peux secouer plus. Ah, mais je crois que c'est ça. Je crois que... Attends, je crois que tu fais une fois. On est en train de le déplumer. Go pêcher la raie de la grande mer. On verra, j'imagine bien qu'on peut pêcher, mais... On verra quand on aura le droit. Tu as récupéré toutes les branches d'arbres. Oui. Tu en as même plus qu'il n'en faut, je n'en prendrai que 10. N'abusons pas des bonnes choses. Laisse-moi te débarrasser. Non, je vais pas traîner. Alors moi, j'aimerais des infos sur les 6000 oranges. J'ai de la chance de partager cette île désolée avec un travailleur aussi acharné. Tu vois, il me caresse dans le sens du poil pour que je fasse le sale boulot. Moi, je le sais depuis longtemps maintenant. Lui, c'est le boss de fin. Hein. À propos de survie sur une île désolée, passons à notre mission suivante, trouver des vivres. Pendant que tu rassemblais des branches, j'ai étudié les fruits qui semblent pousser en abondance ici. Ils ressemblent à des oranges et ont une odeur d'orange. Ils ont le même goût d'orange. J'en conclus qu'il s'agit à 100% et sans l'ombre d'un doute d'authentiques oranges. Merci. Merci beaucoup. Cela t'ennuierait-il d'en cueillir 6 pour moi? Que vois-je? Tu as déjà cueilli assez d'oranges pour tout le monde? Hein? Il l'a pas vu venir, tu vois, le boss. Je savais que tu étais le cueilleur de la situation. Laisse-moi te débarrasser de ces fruits juteux et commençons à les préparer. Incroyable, comme dirait Dame. Les habitants ont des mots chelous selon les personnalités. Et Chavrina, elle a une personnalité comment, là? Le conte y est, oui. Que la fête commence. C'est le moment du sacrifice. Le sacrifice arrive. Je peux enfin vous souhaiter convenablement... D'ailleurs, Chavrina, est-ce qu'elle fait pas un petit peu, vous savez, le démon, quoi? Merci pour ta mimolette, toi nous. Ce jeu du capitalisme. Pour l'instant, j'ai pas encore vu franchement le capitalisme. C'est un book, non? Dans le, vous savez, cette image là où il y a quelqu'un qui fait comme ça. Là. Comment il s'appelle? Je trouve plus le nom. Et voilà, Chavrina. Ah mais c'est marrant, Chavrina. Bah c'est bien, on va l'appeler Chavrina. Chavrina is the new Dark Lord. Baphomet, oh là 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 là, je sais pas. Belzébuth, oh là, vous me donnez des noms. Je sais plus, non, en fait ce que je cherche, c'est le nom... Dans Isaac, je crois. Comment il s'appelle le démon dans Isaac? Satan. Oui, je crois que c'est Satan dans Isaac. En fait, c'est peut-être plus facile comme ça. Krampus, peut-être. Oui, aussi. Enfin, bref. Tout ça pour dire. Petite biquette. Feu de joie. Chavrina. Dark Lord. Voilà. Heureuse de te voir sur ce jeu. J'ai eu ma... Tarentule hier soir, ta tarentule? Quoi? Azazel aussi, ouais. En tout cas, on va l'appeler Chavrina, ça lui va très bien. Au bûcher, la Chavrina. Coucou Torlink. J'ai participé à bien des aventures au cours des années, mais celle-ci est la plus galvanisante. Contribuer au développement d'une toute nouvelle communauté représente un défi exaltant. Un défi pour l'homme d'affaires et également pour l'aventurier. Je commence à entrevoir le côté capitaliste. Nous n'atteignons pas les chiffres que j'escomptais. Qu'à cela ne tienne, le défi n'en sera que plus
électrisant. Je ne doute pas un seul instant qu'à force de persévérance et de travail, cette île déserte va abriter un Lidl et un parking. Non, c'est pas ça. Peut-on encore parler d'île déserte? Comment conviendrait-il de l'appeler? Ne manquons pas cette opportunité en tant que premiers habitants de l'île, c'est à nous de la baptiser. Dans un esprit démocratique, je propose d'organiser un vote. Laissons décider la majorité. Creusez-vous les méninges et lorsque tout le monde sera prêt, nous échangerons nos idées. Nous y voilà. On était parti sur l'île Coloquinte, je trouve que ça s'y prête bien parce que c'est le mot de passe qu'on utilise pour dire que tout va bien. Sabrina Schmellmann, quoi, c'est ça. Ah là là. Ouais, moi je suis très partant pour Coloquinte, du coup. Ce sera l'île où tout va bien. Ouais, exactement. Essayons. Est-ce que ça rentre? Parce que je vous vois venir avec vos caractères, là. Ouais. Je vous vois venir. Ils font rire à dire les lettres comme ça. C-O-L. Oh mon dieu. Q. U. I. N. Coloquinte. Ça s'écrit bien comme ça, tout le monde est... Lil with no problem, exactement. 10 caractères. C'est pas beaucoup de caractères, 10 caractères. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Je vais être bien dans le Gard, moi. Le Gard? T'as appelé ton île le Gard? Ou alors vous appelez l'île de France. L'île de France. Mon bouton, j'adore, il marche pas. Rire. Bon. Tout le monde est prêt. Tout le monde énonçait son idée en même temps. Ah, c'est bien la démocratie. Costoville, Nook City. Ah, j'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sabrina Schmellmann? J'ai appuyé sur mon bouton Stream Deck pour le « Oh ». Oh, c'est quoi ce son, là, le « Oh, oh, oh » Je vois pas à l'écrit, ça me vient pas. Déchire Grèveville? C'est ça qu'elle avait écrit? Quelles charmantes idées. Alors, toutes plus séduisantes les unes que les autres. Passons au vote. Je vais énumérer les propositions et vous applaudirez quand viendra le tour de votre préféré. Brioche m'a l'air d'avoir mûrement réfléchi à son idée. Commençons par là, effectivement. Hein. Et je propose Coloquinte. On applaudit, s'il vous plaît. Vous entendez tout ça? Tout le monde est conquis. Mon île, c'est Arcadia Bay. Ah oui, bien vu. Bah, sinon, j'aurais pu l'appeler Wonderland. Hein. C'est un petit peu le nom que je donne à beaucoup de choses aussi. Mais Coloquinte, je sais pas, je trouve que ça se prête bien à Animal Crossing. Regardez-moi ce triomphe, tout le monde applaudit des deux pattes. Puisque tout le monde est d'accord, restons-en simplement à Coloquinte. Ah bah, génial. La démocratie ça fonctionne. La démocratie, vraiment. Puisque tu as trouvé ta valeur, t'as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour Coloquinte, j'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur cette île. J'ai l'honneur de te nommer délégué insulaire de Coloquinte. Oh, merci beaucoup. En tant que nouveau porte-parole de tes voisins, voudrais-tu dire un mot ou deux?
Il y a vraiment cette blague? Un mot ou deux? Il y a vraiment cette blague? Attendez. Ah, je regarderai après s'il y en a du coup. C'est le son que tu m'as envoyé? Vive l'humour, hein. Comme je sais que vous avez tous envie d'entendre ça, on va plutôt dire salut à tous. Bon, on a donné un nom à notre île et aussi à notre délégué insulaire. On a accompli pas mal de choses aujourd'hui, mais il se fait tard, il est l'heure de porter un toast. Oh, qu'est-ce qu'on boit? On dirait une petite... On dirait un petit jus de simili orange. Dégustez ce délicieux jus d'orange. Produit avec des fruits fraîchement cueillis par notre délégué insulaire. Foin de long discours. J'aime bien cette formulation. À Coloquinte et au bonheur de ses résidents. Santé. Santé. Une orangeade. Bon, ça me fait rire, mais on n'a pas fait grand-chose, hein. On peut pas slurper notre jus d'orange. Je rentre chez moi. Napoléon, il a l'air d'avoir mis plus que de l'orangeade dans son verre. Bah déjà, il a troqué son accordéon pour un autre instrument. Parce qu'il me fait grave penser au piaf. De... Ouf, voilà. Vous avez compris. Bon, je pense qu'on va aller faire un petit dodo. Et que ça va déclencher la suite. Tu devrais parler à Tom Nook avant d'aller te coucher. Mais pourquoi, tu vois? Ça, ça me rend dingue. J'ai le droit d'aller me coucher? Ah. On va pouvoir laisser ce feu de camp se consumer tranquillement. Si tu es fatigué, n'hésite pas à aller te reposer dans ta tente. Avant ça, nous avons quelque chose pour toi. Va donc en parler au président. Est-ce que le simili orange a un cœur? Blague, blague, blague. Attends, parce qu'en fait, une simili orange, est-ce que ce serait pas une xorange? Ou une orangex? Tout va bien pour toi. Oui, tout va bien, je voudrais juste aller me coucher. Je sais que tu as beaucoup à faire, alors si tu as les paupières qui font du yo-yo, va te coucher. On s'occupera du feu, sois tranquille. Ouais, j'ai sommeil, ouais. D'abord, tu vas avoir besoin de ça. Ah. Un lit de camping personnel, il suffit de le déplier dans ta tente. Et c'est parti pour le dodo. Tu trouveras aussi quelques paquets dans la dite tente. Des bricoles qui pourraient être utiles, quoi. Pour les ouvrir... Et utiliser les objets qu'il contient, il te faudra appuyer sur A, bon, jusque là, ok. Quand tu seras disponible, non, quand tu seras décidé à rejoindre les pattes de Morphée, glisse-toi dans le lit. Le tuto est un petit peu, voilà quoi. Demain sera à nouveau une longue journée, alors tâche de bien te reposer cette nuit. Je n'ai plus rien à dire aujourd'hui, à part bien sûr, fais de beaux rêves. Personnel, ce mot est important. Ah ouais? Parce qu'on va me piquer mon... On va me piquer mon lit? C'est rudimentaire. Ça, c'est les messages de propagande de Tom Nook. Ah oui, c'est rudimentaire. Ah oui, mais non, 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 attends, ah, pas du tout, là. C'est pas...
suis... Voilà, voilà. Je me suis bloqué ici. Déplacé. Ah, merci. Ok. Bon, ça fera l'affaire, non? Tu peux pas le mettre bien? Attends, il doit y avoir un moyen de faire les choses mieux que ça. Belle hauteur sous plafond, néanmoins. C'est vrai. Ah! Pousse. Voilà. Il veut pas récupérer ça? On entend la musique de Horizon Nouveau, ok. Le feu allumé, ça peut m'endormir gentiment. Comment je fais pour dodo? Non! Aïe, 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 aïe. C'est la radio qui gêne. Ouf, c'est une grosse radio, ça. Ah, ça y est, ok. C'est vrai que le monsieur, il avait dit avec le joystick gauche. Mais la grosse radio gênait. Monsieur Peanut Butter? Ah non, c'est Kéké. Alors comme ça, tu traces la route? Tu mets les voiles et le cap sur l'aventure? Ouais. T'as raison sur toute la ligne. Le monde est fait pour être exploré. La vie est synonyme de liberté. Bon, alors vous pouvez bien l'appeler Kéké, pour moi il s'appellera Monsieur Peanut Butter, hein, alors c'est tout ce que je veux dire. Bad trip à l'orangeade. Ok, la vie est synonyme de liberté. Prenant l'expérience d'un bourlingueur, la solitude du voyageur peut peser lourd sur le cœur. Faut se faire des amis sur la route, un nouveau visage à chaque virage, il n'y a que le premier pote qui coûte. C'est ça, je connais un chien comme ça. C'est tout. Voilà, il n'y a que lui. Mais c'est qui ce monsieur? Vous avez l'air de le connaître. Qu'est-ce qu'il fait dans mes rêves? Est-ce qu'on a eu une aventure ensemble? Avec quelques copains dans le baluchon, tu partiras l'esprit serein vers tous les horizons. Je bavarde, faut m'excuser. Surtout qu'à moins que ton réveil retarde, il est temps de te lever et de partir explorer. C'est un musicien connu dans Animal Crossing. D'accord, d'accord. Il est dans tous les Animal Crossing. D'accord. Écoute d'abord cet autre refrain à propos des copains. Après, tu ouvriras les yeux tout grand. La vie insulaire est comme une brise de bonheur soufflant sur le cœur. Mais sans amis, c'est juste du vent. Y a pas d'île paradisiaque au monde avec zéro pote à la ronde. L'esprit groovy, ça se vit entre amis. Quand tu te réveilleras, il sera la même heure que dans la vraie vie. On se revoit bientôt. En attendant, le jour se lève. Bref, le jour se lève à 18h du matin, quoi, du coup. Ah, il est parti, le texte. C'est un pilier, lui aussi, c'est ça. Bienvenue, Camille Tillman. Merci à toi. Tu es là? J'espère que je ne te réveille pas trop brusquement. Dis ça à ma grosse radio, là, qui a l'air de s'énerver. Fallait que je te parle de quelque chose. Prépare-toi, je t'attends. Allez, boum, je suis déjà frais et dispo. Du coup, on va avoir le coucher de soleil. J'espère que la sieste était agréable.
En guise de sieste, je crois que tu as fait le tour du cadran. J'ai tellement dormi. Qui ne serait pas épuisé après un tel voyage, à l'aube d'un tel changement de vie? À ce sujet, je t'ai apporté quelques menus objets qui te seront bien utiles pour t'installer dans notre coin de paradis. Commençons par ce petit bijou de technologie. Un iPhone 6. Un Nookphone personnel. Un appareil spécialement conçu pour les heureux habitants de l'île. Merci, Emile Carlson. Merci à toi. Salut du Danemark. Effectivement, je n'avais pas vu. J'aime regarder tes vidéos, j'apprends le français. Tes vidéos m'aident beaucoup. Bien, merci beaucoup à toi. Et bon courage pour apprendre le français. Bon courage. J'aimerais m'assurer qu'il fonctionne. Pourrais-tu l'allumer, s'il te plaît? Waouh! On peut pas avoir l'appli sur le vrai téléphone? J'aime bien quand ils font ça. Tu sais, t'as une appli dans le game et tu l'as sur ton vrai téléphone. Il marche parfaitement. Bénéficie d'un signal réseau optimal et d'une batterie chargée à bloc. Tu peux le ranger à présent. Remember blip blop. J'ai peut-être un peu vite en besogne. As-tu déjà utilisé ce genre de téléphone? Il me pose vraiment la question ou... J'ai envie de dire oui. Dans ce cas, tu devrais vite trouver tes marques. D'autant plus que le Nookphone est bien plus facile à utiliser que les téléphones ordinaires. Pour une raison simple, la plupart des fonctionnalités ont été retirées. Ah ouais, d'accord. Tu vas sur une île déserte pour te couper du monde. Premier cadeau, un téléphone. C'est ça. Dernier détail. C'est ta facture. Alors, voilà. Il paraît que Monsieur Tom Nook, tu vois, sous ses airs bonhomme, il prend cher. Le billet d'avion, le logement, la main-d'œuvre, les taxes et bien entendu le Nookphone. Ce qui nous fait un total dérisoire d'à peine 49 800 clochettes. De quoi? Les clochettes étant la monnaie du jeu. Elle est bien bonne, hein? Ce n'est pas une blague. Bien sûr, comment un détail aussi crucial a-t-il pu m'échapper? Vois-tu, les clochettes sont une monnaie permettant d'acheter bien des biens et des services à Coloquinte. Voilà qui ne résout en rien le fait que tu en sois totalement dépourvu. Ah, je sais. Tu vas travailler pour moi. J'étais préparé à cette éventualité. Tu vas trimer sous le soleil pour payer ta dette. Tu as la possibilité de régler ta formule évasion en miles plutôt qu'en clochettes. Il s'agit d'un programme de fidélité extrêmement pratique que j'ai baptisé le programme Miles Nook. Il y a beaucoup de textes quand même, hein, au début de ce jeu. Hein. On n'a pas beaucoup joué en fait. Des miles. Une invention révolutionnaire, si je puis me permettre. Grâce au programme Miles Nook, j'ai du mal à te dire Miles Nook, Miles quoi. Tu engranges des miles rien qu'en menant ta vie à Coloquinte. Bien entendu, plus tu profites de la vie insulaire, plus tu accumules de précieux miles. Que tu pourras ensuite dépenser pour payer tes frais d'installation et bien d'autres choses. Pour ces frais, il te faudrait débourser 49 800 clochettes, mais grâce à ce nouveau service, crois-le ou non, il ne t'en coûtera que 5000 miles. Ah, c'est déjà un petit peu plus abordable, t'as l'impression. Hein. Mais bon, c'est un chiffre. Je vais t'inscrire au programme, comme ça tu me paieras en miles, d'accord? Pourquoi tu nous dis déjà que je vais devoir payer 10 000 clochettes par mois? J'espère que c'est pas vrai. Tu en auras plus en cours... Enfin, j'espère. Parce que ça, déjà, c'est... Ne me dites pas ce genre de choses. Laissez-moi avoir les bonnes surprises, s'il vous plaît. Tu en sauras plus en consultant le Nookphone. Il te suffit d'ouvrir l'appli Miles Nook.
pour découvrir que tu as obtenu des miles rien qu'en... Quoi ? Qu'en venant sur l'île et en adhérant au programme. Maintenant, si tu n'en veux pas, je dois me replonger. Si tu ne m'en veux pas, je dois me replonger dans les lourdes tâches qui sont les miennes. Non sans t'avoir chaleureusement félicité pour ton emménagement à Colocante, bien sûr. Tu commences à me saouler un peu. C'est une grande joie de t'avoir sur l'île parmi nous et d'accueillir un nouveau client chez Nook. Ouf ! Dites donc, il est collant, hein. Une nouvelle vie qui commence pour toi, tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent. Ah, merci. À partir de maintenant, le temps sur l'île s'écoulera à la même vitesse que dans le monde réel. Ne touche pas au bouton Power si tu vois l'indicateur de sauvegarde. Quand tu vas arrêter de jouer, tu peux appuyer sur moins pour sauvegarder et quitter la partie. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je... Ok, je dois avoir un message, mais on pose la manette. Après une heure de tuto, nous y sommes. Nous y sommes. Et je vous rappelle de ne pas me donner, s'il vous plaît, des informations que je suis censé découvrir par moi-même. Je sais que vous connaissez très bien ce jeu, que vous voulez montrer que vous le connaissez, mais s'il vous plaît, laissez-moi découvrir, tout simplement. Voilà. Concentrez-vous, contenez-vous, et tout se passera bien. Nous sommes sur l'île Colocante, donc tout se passe bien. Il est 18h22, nous sommes le 20 mars, et je pense que j'ai du courrier. Oh, de Nintendo! Cher Brioche, vous avez acheté ce jeu sur Instant Gaming et c'est pas joli joli. Merci de débourser. Non, c'est pas ça. Merci d'avoir téléchargé la mise à jour. Nous avons même un petit cadeau pour toi en espérant qu'il te plaise. A bientôt pour d'autres mises à jour. Les gens, ils explosent avec leurs infos. Mais oui, je sais bien, vous voulez me donner vos infos. Vous êtes tout content de montrer que vous savez. Mais s'il vous plaît, contenez-vous. Je ne suis pas contre le partage d'informations. Le problème, c'est que là, vu qu'on est au tout début, vous bazardez beaucoup de choses qui ne sont même pas nécessaires ou qu'on verra plus tard. Je ne suis pas contre que vous m'aidiez. C'est ça que c'est difficile aussi pour les modos, parce que je leur demande de supprimer ou de pas trop supprimer les backseats. Enfin bref, je suis pas contre l'aide, mais vous en faites trop parfois. Voilà. Merci, Mister Fougère. Merci de nous distraire pendant le confinement. Bah, merci à toi surtout. Merci beaucoup. Donc, deuxième message de Nintendo. Félicitations pour ton installation. Nous espérons que tu apprécieras ta nouvelle vie sur cette île. Pour célébrer ton emménagement, voici un cadeau qui te sera certainement utile. Dans la poche. Ah, mais j'ai pas pris le cadeau là-bas, en fait. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'ils m'ont offert ? Un gland. Établi de bricolage simple. Apprendre. C'est un plan de bricolage. Comment le mémoriser? Je ne sais pas encore. Une Nintendo Switch. Oh. Bonjour Litchi, 549. Ouh, ça sent la mimolette, ça. C'est un plaisir de te voir sur cet adorable jeu. Cœur sur toi et sur ta progéniture. Merci beaucoup. Merci pour ta... On va aller poser la Switch à l'intérieur. Je pense qu'il faut aller voir tout ce petit monde. Pour apprendre les plans. Il n'y a pas assez de place. Ah, faut que je recule un peu. Mais faut la placer n'importe comment, en fait. Ah! Ah mais je suis Keblo moi. Non! Quel enfer!
Je veux la mettre. En fait, tous les objets veulent m'empêcher d'aller me coucher. Comment je fais pour remballer? Comme ça, comme ça? Comme ça. Ok. Bon, je suis pas encore sûr de si j'ai appuyé sur le bon bouton. C'est un enfer. Reculez-moi ces horreurs. Voilà. Bon. C'est bon. Cette radio, je sais pas. Hein, je commence à en avoir... J'ai une drôle d'impression avec la radio, mais bon. Pour emballer, il suffit de remballer l'emballage. De déballer l'emballage. Quoi? C'est une vraie astuce aussi. Ouf, t'es de ma gueule. On peut pas l'éteindre? Si, mais je me dis, autant... On verra. Alors... Appareil photo. Prends des photos et applique divers filtres et effets sur tes clichés. Les photos sont sauvegardées dans l'album accessible depuis le menu Home. Oh, vas-y, j'ai envie de faire une photo et de le mettre sur le vrai Instagram. Comment on fait une vraie photo? Ah, no, hashtag no filter. Hein. Intense, peut-être. On a trouvé un truc à mettre sur Insta. Non! Non, oh, j'étais bien centré. Abandonner l'expérience, abandonner l'expérience. Rentre. C'est planté, mais c'est pas grave, on va se refaire. Abort the mission, ouais. Le perso du jeu peut-il jouer à Animal Crossing sur la Switch à l'intérieur même du jeu? Je sais pas. On fait une pause? Non, c'est pas ce que je voulais. Continuer de jouer. Je veux mon téléphone, je veux mon appareil photo, et je veux le zoom. Comment je fais le zoom? Parce que j'ai appuyé sur plus. Et ça n'a pas zoomé. Ah non, c'est parce que c'est X. Excusez-moi. Ah. On voyait pas derrière le chat YouTube. YouTube gêne. Bienvenue Hayden. Hayden Ackerman. Bienvenue à toi. Merci. Bon. C'est plutôt chou. Attends, il y avait un papillon. Est-ce qu'il veut pas... Oh là là. Ah, il va pas revenir. Attends. Bon, ok, il vient pas. Ce serait peut-être l'occasion, du coup, de faire un petit post. Comment je fais pour récupérer le screen que je viens de prendre? Le mettre sur mon téléphone, pour ensuite le mettre sur Insta. Comment je vais faire? Avec la carte SD. Oui, mais moi j'ai un iPhone. On met pas une carte SD dans un iPhone, vous savez bien. On paye 1600 euros pour ne pas pouvoir mettre un truc dedans. Vous êtes bien au courant quand même. Triste, ouais. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Attendez. On va faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, on va commencer par prendre un screen. Voilà. Screen. Ensuite, je vais prendre ce screen que je vais m'envoyer, s'il s'upload, par mail. Ensuite, je prends mon téléphone, j'ouvre les mails
Et bam! Nouveau message. Attendez. Je vous mets ça. Moi, on a un petit peu de son. J'envoie ça sur moi-même. Je sais pas si ça va marcher en fait, je suis en train de faire un truc. Ouais. C'est pas grave, j'envoie. J'envoie. Et là, je vais sur mon vrai téléphone. Ah, j'ai reçu un message. En fait, je me suis envoyé le push. Ajouter aux photos. Ok. Étape par étape, s'il vous plaît. Instagram, qu'on pourrait appeler... c'est Superbrioche 666, je crois, mon Insta. Quelle est ma dernière photo? Ah bah, c'était le truc d'Animal Crossing. Le fameux preskit qui a énervé tout le monde. Donc, clac. Oh là 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 là. Ah mais là, c'est un peu fadasse. Peut-être que je vais mettre un filtre, en fait. Hein. Ah, c'est joli avec le filtre là. J'avais dit no filter et puis je mets des filters. C'est pas bien de mettre des filters. Suivant. Voilà, maintenant on peut écrire une légende. Tu peux t'envoyer direct le screen de la Switch à Twitter si jamais. Ah oui, mais je crois que j'ai jamais... Je crois que j'ai jamais mis les liens. Je crois que j'ai jamais mis mon Twitter sur la Switch, mais effectivement. Et là... Je suis une légende. Attendez, il faut que j'enlève du filtre, là, il y a beaucoup trop de filtres. Diminution du filtre, clairement, là, ça n'allait pas du tout. Non, no filter, s'il vous plaît, no filter. La vie est no filter, alors il n'y a pas besoin de mettre de filtre devant vos yeux sur une photo, ok? Qu'est-ce que j'écris? Début de mon aventure sur l'île Coloquinte. On va mettre un petit, une petite émote de feuilles. Ça fait très Animal Crossing, les émotes de feuilles. Où sont les arbres? Là. Oh, un palmier. Palmier. Oh, vas-y, palmier, feuille dans tous les sens, là. Feuille. Feuille, graine, trèfle. Y'a pas de feuille, en fait. Si. Début de mon aventure sur l'île Coloquinte. On va mettre un hashtag Animal Crossing, ça fera quand même plaisir à Nintendo. Ok. Ça va, ce live vous plaît? Je le mets sur Twitter. C'est posté. Missidia76, merci, je suis majeur depuis juillet et je viens de tilter que je pouvais faire des dons, merci de me faire rire chaque semaine, je retourne dans l'ombre, merci à toi. Fais attention à tes sous, hein, d'accord? Faites tous attention à vos sous. C'est l'éclatade. Ah, bah écoutez, voilà. On a vu une application, il en reste 5.
Miles Nook, tu as rejoint le programme. Gagne des miles en prenant part à des activités sur ton île. Le com a été fait. Merci. Rends-toi ensuite au bureau des résidents pour échanger tes miles contre divers avantages et articles de Nook Shop, j'allais dire. Nook Stop. C'est peut-être la même chose, en fait. Rends-toi ensuite au bureau des résidents pour échanger tes miles contre divers avantages. Profite de tout ce que l'île a à t'offrir, accumule des miles. Oui! Alors, c'est quoi, cette histoire? Ça, c'est les miles de bienvenue. On l'a eu. Non? Oh, je récupère. 500, hein. Pas mal. Pêcheur sachant pêcher. Bah voilà, 10 poissons. Poissons. Ça nous fera des miles. Et j'imagine qu'après... Oh là, il y a 50, 100, 200, enfin bref. 10 bonjours. L'entente des résidents nous tient à cœur. D'où notre programme. En coucouragement. Que c'est mignon. Qui permet d'obtenir des miles en parlant à tes voisins. Glisse un bonjour à chacun, tous les jours. Ouais, dire bonjour, voilà quoi. Engrange des miles en capturant des bébêtes à tour de bras. D'accord. Flower power. Plante des fleurs pour embellir notre île. Corne d'abondance. Commerce de fruits, c'est juteux. Si tu vends le fruit spécifique de notre île, sur d'autres, les clochettes pleuvront. Fruits de la mer. Nook entend favoriser le commerce des coquillages en récompensant les vendeurs avec des miles. L'art de meubler. Offre des meubles à ta maison. Ouais. Ah! Dégainer l'appareil photo, tiens. En coucourageant. Passeport en ordre. Certaines informations du passeport peuvent être modifiées. Encourage la personnalisation en donnant des miles à Nook, à ceux qui font l'effort de s'approprier leur identité. Premier message sur le panneau d'affichage, veut bien quelques miles. Terre meuble. Disposer des meubles et de la décoration de l'extérieur. Changement de décor. Apprendre à utiliser l'appli de motifs perso. Il y en a des trucs, hein. Ah bah je suis à fond là. Et il n'y a pas grand chose. Il y en a encore une tonne. Ok. Ah bah c'est ça les motifs personnalisés. Avec cette application, tu peux créer des motifs pour personnaliser tes vêtements ou décorer l'île. Il te suffit de sauvegarder tes motifs sur l'application pour pouvoir les partager avec les autres résidents de l'île. Il se peut que tes motifs soient... Pourquoi c'est écrit en rose d'un coup là ? Il peut que tes motifs soient vus par d'autres joueurs lors des sessions de jeu en ligne. Par exemple, quand tu visites une autre île. Alors évite de dessiner des bits, d'accord, d'accord. N'utilise aucun contenu pouvant porter atteinte. Allez, j'ai compris, d'accord. J'ai compris. Ça, c'est des drapeaux. Maquillage. Oups! Comment on enlève? Merde! Comment on enlève ça? Ils vont pas arriver au village, ils vont dire oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on l'a accepté? C'est dans l'inventaire pour retirer. Ah, genre là. Retirer quoi? Cette horreur là, s'il vous plaît. Ah, merci. Attendez, parce qu'on peut aussi retirer son pantalon. Ah, bah voilà! Fantastique. On remet, hein, si ça ne vous embête pas. Je voulais juste voir jusqu'où on allait, quoi.
Et on fait quoi de cette carte gland, là? Un établi de bricolage simple, à prendre. Ah oui, je pense savoir où est-ce qu'il faut aller, mais... Ah bah non, parce qu'il n'y a plus. Je check ça. Panneau d'affichage de l'île, nous utiliserons ce panneau pour diffuser des messages importants et des informations. Oui, oui. Les résidents ainsi que les visiteurs sont invités à se servir du panneau d'affichage pour communiquer ensemble, fêter les grandes occasions, etc. Très bien. Je pense que il faut aller là. Ah bah voilà, il y a l'établi. Bonjour, bonjour. Comme tu le constates, c'est plutôt douillet là-dedans. Ce qui ne veut pas forcément dire confortable. N'hésite pas si tu as des questions sur les activités que propose l'île, ou sur quoi que ce soit. Si tu as besoin de conseils à propos des ressources de base de l'île, demande à Mélie. Il t'aidera à te procurer de quoi couler de jours heureux dans notre petit coin le paradis. Si tu as dans l'idée de récupérer quelques clochettes, il achète à peu près tout. Ah, c'est une approche discutable sur le plan des affaires, mais fort généreuse, oui. Dernier détail qui a son importance, je propose un atelier de bricolage gratuit afin d'aider les arrivants à bâtir leur bonheur insulaire. J'ai la faiblesse d'espérer qu'il est très utile, alors je compte sur toi pour en profiter. Eh bien, pas de problème, parce que je pense que je peux utiliser ma carte gland. Je vois que tu as découvert les établis. Qu'est-ce qui bavarde ? Vas-y. Ah, on part dans un vrai tuto. Non ? Okay. Bienvenue dans l'atelier bricolage. Atelier est un bien grand mot. J'espère qu'il ne t'intimide pas. Toute appréhension sera instantanément dissipée devant la simplicité du bricolage. En trois mots, il faut rassembler des matériaux, suivre un plan et travailler sur un établi tel que celui-ci. Nous allons fabriquer une canne à pêche. Voilà qui est une bonne nouvelle. À l'aide de matériaux ordinaires, faciles à dénicher. D'après le plan, seules 5 branches d'arbres sont nécessaires. Je les ai pas ? Oh, je les ai pas, franchement. J'en ai 13 ! Oh ! Oh ! Oui, oui. Pour commencer, utilise l'établi et sélectionne un projet. Ok, projet canne à pêche rudimentaire. Je compte bien avoir une canne à pêche en arcanite. Ça, c'est sur vous, mais c'est pas grave. Avec un petit enchantement plus 5 en pêche. Des appâts plus 100. Je m'égare un peu. Donc, c'est parti. Ce n'est pas une canne à pêche, ça, c'est une boîte à outils. oui. Tu étais parfait. Comme tu le vois, le bricolage n'a rien de sorcier. Il suffit de disposer du plomb adéquat. C'est sur ces mots gorgés de sagesse que s'achève mon atelier bricolage gratuit. Gratuit, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont payants. Avant que le rideau ne tombe définitivement, voici quelques plans de bricolage. Gratuits aussi. Je les envoie sur le Nook Phone. Puis-je te demander de le sortir ? Le Bluetooth fonctionne uniquement quand c'est sorti. Ah mais voilà, on a les cartes gland. J'ai installé l'appli création sur ton téléphone. Tu l'auras toujours à portée de patte. Regardez-moi, c'est Big Brother. Il installe des applis sur mon téléphone. J'ai même pas... J'ai rien accepté, quoi. Elle ne durera pas éternellement. Elle devrait te rendre de fiers services pendant un moment. Parlons peu, parlons pêche. Je ne suis pas un expert, mais je peux peut-être te prodiguer des conseils. Je suggère de viser juste devant la silhouette d'un poisson quand tu lances ta ligne. Ouais. Je serais d'ailleurs ravi de jeter un œil à tes prises. La faune locale me passionne. Ok. Ouais, on va bricoler.
Donc ça, c'est ce qui m'a donné. Waouh, le feu de camp, le filet rudimentaire. Mais alors la carte. Faut d'abord checker peut-être dans le... Dans le téléphone. You found a cone à pêche. Si c'était comme dans l'autre jeu. Ah, je pense que j'ai pas assez de bois pour le feu de camp. Ah si, pile. Bah dis donc. C'est scripté en fait, je savais. Arrêtez pour l'instant. Apprendre. Ah d'accord. Super, tu sais à présent fabriquer un établi de bricolage simple. Donc je pourrais peut-être bricoler chez moi et pas venir chez ses exploitants. Ça c'est le PC pour retirer des Pokémon. Comment ai-je pu oublier? Faut bien entendu que je te parle un peu de ce terminal. Je te présente le Nookstop. Ah, c'était ça. Il te fournira de nombreux services qui te faciliteront la vie de l'île. Il propose pour le moment deux services. Le Nook Shopping. Un service de pour choper. Parce que... Voilà. Voilà. Commander des objets. Il fait office de distributeur automatique de clochette. Ou le DAC. Le DAC. Pour la banque. D'accord. Nous envisageons également d'y adjoindre un service d'échange de Miles Nook à l'avenir. J'espère que tu profiteras bien de ces merveilleuses fonctions. Il y a de quoi faire. Bienvenue dans Nookstop, terminal multimédia de Tolkien. Accéder au Nookstop te fait gagner une fois par jour des miles bonus. D'accord. Alors attendez, attendez. Laissez-moi... Bordel de cul. Laissez-moi prendre mon carnet. Faut que je note des choses. À faire tous les jours. Go Nookstop. C'est ça, hein, c'est le Nookstop. Pas déconner. Il faut optimiser. Alors, le Nook Shopping, qu'est-ce qu'il propose? Ouf. Ça coûte cher. Un évier. Ouah! C'est moche. C'est moche. C'est non. C'est non. C'est pas mal. Ah. Ouais. Keke Academy. Ah ça, il y a des gens dans le chat. Ils l'ont fait. J'ai pas envie de dépenser, j'aime pas trop ces objets. Bon, j'ai rien à déposer. Une épargne. Certains ont leur diplôme, mention excellent. Ah, le pansement, tu crois? Ah, ça donne un petit style. Je me suis blessé en cueillant des branches. Bienvenue! Tu n'es pas du genre à perdre du temps. On est encore en train de s'installer, mais on a quand même quelques articles pour nos résidents. Comme on n'a pas beaucoup de place, on va essayer de renouveler nos stocks tous les jours. Tu dois être très occupé, mais jette quand même un œil à ce que nous proposons. Ah, la boîte de mouchoirs. Un générateur d'extérieur. Mais c'est horrible. Tu sais, t'arrives sur l'île déserte, c'est très calme, et direct, tu mets le gros moteur devant ta tente. Ah, on peut aussi acheter des trucs comme ça. Arrosoir rudimentaire, lance-pierre, des graines, tulipes, remèdes.
pousses d'arbres, béaba du bricolage, plan de lance-pierre et des oranges. Bon, ok, mais moi je voudrais te vendre des trucs. Oui, j'ai récupéré des trucs. On ne fait pas que vendre, on achète. Voilà, c'est ça. C'est pour recharger la Switch, c'est ça? Pas faux, pas faux. On te donnera même quelques clochettes si tu ramasses les mauvaises herbes. Ah bah, voilà. Alors, comment je fais pour vendre? Achète-moi des trucs. Ouais. Des mauvaises herbes! Ah, ça fait plaisir, ça! 190 clochettes, hein! Allez! Repasse quand tu veux! Qu'est-ce qui se passe? Bricolection, bricolage d'outils... Ouais, mais en fait, tout ça, c'est les... 4 sur 10. Est-ce que j'ai validé un truc? Est-ce qu'on peut voir si j'ai validé un truc d'un seul coup d'œil? Ah, bah non. Ah, si! Vendre. Bon, j'ai aucune notion de la valeur de l'argent hein, dans ce jeu, donc... pour de la mauvaise herbe, moi j'ai l'impression que c'est plutôt... plutôt pas mal, quoi. Création. Consulte cette application pour en savoir plus sur les plans de bricolage que tu as obtenus. Tu peux aussi marquer comme favori. Moi je veux faire ça. Il faut du bois dur. Ah, on voit pas bien. 0 sur 5. Et du pépite de fer. 0 sur 1. Vous voyez où vous gênez? Attends. Ah ouais, il n'y a pas encore ça. Faut que je te parle un peu de cette boîte. Il s'agit d'une boîte de recyclage dont tous les résidents de l'île sont invités à faire usage. On y entrepose des éléments qu'on doit retirer durant un chantier ou ce genre de choses. Si tu aperçois quelque chose qui te fait envie, sers-toi sans faire de chichi. Mais ne traîne pas, les objets les plus anciens passent à la trappe dès que la boîte est pleine. Oh, une boîte en carton. Je la vendrai. Je la vendrai, ma boîte en carton. C'est un plaisir! Faut bien qu'on dise bonjour à tout le monde. Dire bonjour à cette bande voilà. De... Enfin, bref. Qu'est-ce qu'on s'est amusé? La nuit, tous les employés se retrouvent au bureau des résidents. N'hésite pas à y passer nous voir. Pour l'instant, je vais me promener, voir si tout le monde a tout ce qu'il lui faut. Si jamais tu as la moindre question, ou si tu ne sais plus quoi faire, viens en discuter avec moi. Je pense que j'ai de quoi faire encore là. J'ai même pas vu toutes mes applications. T'as des oranges sur ton île, Mathieu Black? Et c'est pas bien, parce que c'est ce que j'ai aussi, quoi. On va faire les stocks. Ah oui, go pêcher aussi, ouais, ouais. Non, mais il y a plein de trucs, là. Le pire, c'est la poire. Mais pourquoi il y aurait des trucs mieux que les autres, en fait? Ah, parce que t'aimes pas les oranges. Bonjour à Luca. Tu viens de suivre la chaîne? Bah écoute, installe-toi, moi ça va.
Je commence à être pris par une envie d'aller uriner, mais ça dit, ça va. C'est moche la poire, c'est tout. Bon. Bon. Il n'y a pas de fruits pires que les autres, c'est juste une question de goût. Ah d'accord, ok, ok. Non, l'orange, c'est très bien. Ça me va très bien. Cerise, c'est joli. C'est vrai aussi. Attendez, j'ai des messages, mais... Enfin, j'ai eu deux messages, excuse-moi, parce que Siana, j'ai pas lu le tien. Insérer bruit d'eau qui coule pour donner encore plus envie de faire pipi. Putain. Madame connasse, tu peux m'appeler? Ah non, mais tu m'as écrit en même temps que ma mère. Vraiment, hein, les deux messages sont à la même minute. Message important d'ailleurs. N'oublie pas les mauvaises herbes. Ouais, mais après, ça perd un peu de charme. Je trouve que ça met un peu de relief, non? Bon, après, il y a les grosses comme ça, là. Est-ce qu'on a déjà vu Siana et la mère de Bré au même endroit au même moment? En vrai, oui. La brochure causée d'île déserte, alors je m'étais plutôt préparé pour la grande ville naufragée. Je suis bien joyeuse d'avoir une célébrité comme toi sous la patte. Fais-moi signe si je peux t'aider. Non. Je me demandais comment te remercier. J'ai décidé de t'offrir un plan de feuilles à pluie. Oh, ça a l'air mignon, ça. Ça, ça me plaît. Quand je me suis pointé ici, je me suis tout de suite dit « Waouh, ça manque pas de mauvaises herbes dans le coin. » D'où l'idée de t'offrir ça. C'est un plan de bricolage pour lequel il faut pas lésiner sur les mauvaises herbes. Super, je viens de les vendre. Elle propose ses services. Non. Non. Profite, mon moulin. J'ai pas compris, elle m'a pas offert une carte pour... Ah non, c'est pas comme ça. Mais ça prend de la place, votre histoire d'orange, là. Ah, d'accord. Ça a l'air bien, ça. Je sens que c'est mignon. Regardez ça. Bah voilà, mais il me faut des mauvaises herbes parce que j'en ai 4 sur 1. On voit pas. Ça me fait penser à Totoro. Il se met ça au-dessus de la tête dans la scène où il pleut. Et il est où, champion, là? Il pourrait peut-être nous donner une récompense, lui aussi. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour te faciliter la vie sur l'île, n'hésite pas à venir me voir. Tu sais que si tu secoues un arbre ou que tu le coupes, tu risques de tomber sur un nid de guêpes. Fais attention, une piqûre de ces créatures enragées et ta tête enfle comme un ballon de baudruche. On raconte même que si on se fait piquer plein de fois, on finit par s'évanouir. On vend des remèdes contre les piqûres d'insectes. Ah bah oui, on a vu des remèdes. Au bureau des résidents. À ta place, j'en aurai toujours tout le temps sur moi. Et ça fait quoi, finalement? Je veux dire, si je m'évanouis... Qu'est-ce que ça provoque? Je perds des objets? Tu vois? Je sais pas. Il y a eu un truc bizarre. Fin du game, ouais, c'est fini. Essaye, tu verras. Super. Super. J'ai
quand même envie d'essayer quelque chose. Non, pas ça. Équipé. Je sais pas du tout comment on fait. Je sais pas du tout si c'est... Yes! Tu as attrapé une psyché. Délire. Ah, calmos, calmos. Exhibé. Ah oui, c'est pas ça, c'est ce bouton-là. Laissez-moi pêcher. Yes. J'aurais dû appuyer sur le bouton, je crois. Les flèches pour switcher d'outils. Ah, bien vu, merci. Tu vois, ça, c'est le genre d'astuces qui sont intéressantes. Difficile de juger hein, qu'est-ce qui est utile ou qu'est-ce qui spoil ou pas, mais là, effectivement, c'est bien. Merci beaucoup. On fait spawn le mammouth quand on a un inventaire plein, je sais pas. Je sais pas, va falloir vendre. Là, attendez. Pour l'instant, le jeu te plaît. Attends. Notre petit poisson. Merci Xivarel. Bah le jeu me plaît, oui. Il y a beaucoup de blabla quand même. Je suis content d'être enfin en phase de laisse-moi tranquille, laisse-moi jouer. Difficile à dire si ça me plaît ou ça me plaît pas. En fait, on n'a pas vraiment fait grand-chose, mais... Mais j'ai envie de dire que ça ne me déplaît pas. Voilà. On a pris un carassin. Tu sais que c'est un cousin de la carpe. Attends, lui, il a l'air gros. Coucou, pizza. Merci, Jamie, ouais, pour l'information. Yes! Un vieux pneu qui ressemblait à un poisson. Ça se vend. Ça se vend, franchement, c'est... On pourrait réutiliser ce vieux pneu pour autre chose. Ça t'a donné une idée de plan de bricolage. Incroyable, je vais faire une table basse. Ou un siège aux petits oignons. Ou une balançoire! Oh là là! Attends. Non, je me suis planté. Ah si, c'est là en fait. Vieux pneu. Oui, mais là, il en a fait quoi? Un jeu en pneu. C'est propre sur l'île de Colocante, oui. Écoutez, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Un ballon? Comment ça, un ballon? J'ai pas compris. J'ai raté quelque chose? Eh, poisson, c'est là que ça se passe. Ouais, mais c'est mon Gus, il s'est pas visé un minimum. Dans le sky. Ah, j'ai rien vu, je suis désolé. Est-ce que vous avez vu un ballon? Trop tard en fait maintenant, c'est ça. J'ai raté un événement ultra rare. Bon, c'est pas grave, apparemment.
Non mais... Une vandoise. Tu crois qu'elle aime les framboises ? Faudra le lance-pierre pour les ballons. Ok. Je crois que j'avais vu une histoire de lance-pierre. Viens là, toi. Papillon de nuit. Ah, te v'là, toi. Tu as attrapé le plus gros poisson qu'on ait jamais vu sur cette île. Ah, c'est tout. Ah, j'ai dit bonjour à tout le monde, non? Yes. J'ai pas vu, mais on gagne des trucs. Faudrait que je fasse gaffe la prochaine fois. Si on regardait un petit peu les autres applis, la carte. Puis sur X, pour modifier les paramètres d'affichage de la mini-carte lors de tes activités quotidiennes. Alors, là c'est moi, là c'est le bureau des résidents, là c'est l'aéroport, Napoléon. Ah mais c'est... C'est leur tente. Toujours masqué. Toujours affiché. Ouais, bon, ok, ok. Pas grand chose à voir, en fait. Le passeport. Les informations de ton passeport sont affichées ici. Ces informations peuvent être vues par les autres joueurs en visitant une autre île, par exemple. Tu peux changer de photo, de titre ou de commentaire à tout moment. Personnalise-le selon ton style. Coloquinte, orange. Ok. Qu'est-ce que je peux modifier? Le commentaire? Le commentaire, là, c'est ce qui est écrit en dessous, là, le lien de l'île déserte. Je suis un lien, ouais. Hello, Keshua. Ouais, il faudra que j'essaye avec cette histoire d'appli, là, oui, 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 oui. J'essaierai. Ça, c'est ton titre. Ah. Ah. D'accord. Grand timide. C'est bien ce que j'ai vu, en fait, quand on faisait les challenges, là, ou je sais pas trop quoi. Ah, la chalande. Animal. Fils de poche. Je suis le fils originel. Il me semble que j'ai des points si je change les trucs. Oui, passeport. Tiens, regardez, on va obtenir un titre, ça va être écrit là, voilà. Titre voyageur, voyageuse du futur. Ah, je suis sûr qu'on va pouvoir faire des titres rigolos quand même. On est déjà à 1750, hein. Et il nous restait le service d'aide. Utilise ce service dans les situations d'urgence lorsque la voie est bloquée et que tu ne sais pas quoi faire.
Tu seras généralement transporté chez toi ou un bureau des résidents. Tu dois disposer de Miles Nook pour bénéficier de ce service. D'accord, donc ça c'est pour se sortir de mauvaise posture. Fils de poche, ça fait insulte québécoise, oui c'est vrai. Utilise ce service dans les situations... Oui, oui, d'accord, d'accord. Ouais, je vais mettre OK. Mais non, voilà. C'est bon, on a tout vu dans le téléphone. Bon. Maintenant, c'est le temps. Il est temps de te mettre la misère en te montrant comment pêcher un gros poisson. J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. La misère. La misère, hein. Donc, Mais la tête de frite, tu vois, il vise rien, donc... Dans le coude. Ah, dans le coude, si je suis pas chez moi. Hein. Chez moi, je peux bien cracher sur les murs. Mais t'as raison, je devrais faire gaffe quand même. Je suis chez moi, c'est grave? Non, en vrai. Vous me faites peur maintenant. Tu l'as dégoûté de la pêche. C'est vrai qu'il s'est barré. Je devrais peut-être lui en demander. Oh, qu'il est petit. Que penses-tu de Animal Crossing pour le moment? Eh, écoute, je crois que mon avis est disponible. Je sais plus si la commande, elle fonctionne. Merde, ça marche pas. Je suis dégoûté. Ah si, c'est bon. Ça fonctionne. Bouvière, femelle du bouvier. Tes poches sont pleines? Ah merde. On va l'échanger contre le caillou. Qu'est-ce que c'est ça? Un peu de retard le bot. Non mais en vrai ça répond à la question. Pour l'instant c'est sympa. Pierre. Oui. Mon gars, il pète des plombs. Je vais juste reparler à Monsieur Vexé. Il est parti où? Ah. Ah, mais non. Je te glisserai dans la boîte aux lettres. Ah bah ça va. Faut qu'on vide notre inventaire là. Le nouvel habitant sur l'île, Pierre. Ouais, il m'a dit qu'il aimait bien les bébêtes ou je sais pas quoi là. On va aller voir. Bonjour, bonjour. En quoi puis-je t'être utile? Alors, j'ai trouvé une créature. Remarquable. Admirons ce spécimen de plus près. Super spécimen de bouvière. Sur cette île... Si cette île abrite une bouvière, qui sait quelle autre créature fantastique elle recèle par ailleurs? Je viens d'avoir une idée. Je suis un vieil ami conservateur de musée et je suppute qu'il serait ravi d'examiner cette découverte.
Oui, on va soumettre. Cela n'a rien à voir avec le généreux don que tu viens de faire, mais j'ai une appli fort utile à te montrer. Une nouvelle appli. Le Bébétopédie. C'est le Pokédex? Il sera une aide précieuse aux chercheurs en herbe que tu es. Cette simple appli te donnera tous les détails sur les insectes et poissons que tu attrapes. Continue à le remplir en multipliant les découvertes et en me les montrant, bien entendu. Je ne serais guère étonné que cela ne te doive une récompense supplémentaire de ma part. Ok, donc déjà je lui ai donné mon poisson. Ouais, donc j'ai gagné une appli en échange, pourquoi pas. Consulte cette application pour en savoir plus sur les insectes et les poissons que tu as attrapés. Mais il y en a beaucoup. Cette petite crotte là. Terrible, vu que c'est en fonction des vraies saisons, des vrais horaires. Terrible. Beau spécimen, hein. Accro à l'écran, tu m'étonnes. J'ai mon Nook Phone bien en main. Utilisateur de Nook Phone. Et du coup, faut que je lui donne tous mes poissons et mes insectes ou pas? Une autre créature, nous allons également l'examiner. Donnons-lui la crotte. Ouais, on donne, mais... Oui, je l'ai pris, l'atelier, t'inquiète pas. Je voulais partager plus de plantes de bricolage avec toi, peux-tu allumer ton Nook Phone? Aïe, 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 aïe. A plus, Lulute. Bonne app, c'est vrai que ça a commencé à être l'heure de miam. Quelques plans de bricolage nécessitant du bois, et notamment pour faire une hache. Je crois qu'un tel outil pourrait s'avérer fort utile. Ok. J'aimerais passer ici. La feuille à pluie. Waouh, j'ai appris plein de petits trucs. Les piquets. Abri à oiseaux. Moi, c'est surtout ça que je veux faire. Mais oui, mais ça, j'ai pas du tout ce qu'il faut, les pépites de fer. Et le bois dur, j'ai pas de bois dur, moi. J'ai envie de le faire pour le vendre.
Bon, j'ai plus de bois. Et comment je fais la hache? Ah bah ça va, c'est rudimentaire, hein. Bah c'est écrit dessus en même temps. Ma foi. Une pierre et des branches. Je me suis étouffé, tu vois, en disant ça. Hydratez-vous. C'est important. D'ailleurs, c'est de l'eau du robinet, hein. Attention, j'ai pas de gourde en inox, mais je n'agis pas comme une gourde. Et je remplis ma bouteille d'eau du robinet, maintenant. Voilà. Il nous faut une haute gourde. Attends, on va lui donner tout notre bazar, hein. On peut pas lui dire prends tout. Je sais plus ce que je lui ai déjà donné ou pas en fait. Carassin. Faudrait-tu un inconvénient, blablabla, bla, bla, bla. Oui, vas-y, prends. Une véritable récompense pour toi cette fois-ci. Oh, des graines. Sac de pensée rouge. Il s'agit d'un échantillon de nos produits. Et ça, c'est encore une fois pour t'avoir. Tu donnes l'échantillon gratuit et après il revient. C'est un monstre. Il te suffit de les planter, de patienter quelques jours et tu verras éclore de jolies fleurs sous tes yeux ébahis. Et ça, tu m'en diras des nouvelles. Et si tu es satisfait, n'hésite pas à repasser pour en acheter davantage. Et voilà. J'espère que tu en m'apporteras d'autres trouvailles. Pas de soucis. T'inquiète, je suis dessus. Et Bobby même, ouais, clairement. Ça, je lui ai déjà donné, donc ça m'étonne qu'il le veuille encore. J'ai mis la patte sur un autre carassin. Je suis toujours l'heureux propriétaire du précédent spécimen. Tu peux donc garder celui-ci, ok. Ou le vendre, ça va sans dire. Ok. Petit peu rébarbatif. Cette action, je trouve. Tu lui as déjà donné ça aussi? Non? Non, c'est bon. Bienvenue, Shanna. Merci à toi. J'ai oublié de préciser un léger détail. Il s'agit d'une variété de fleurs particulièrement robustes qu'il suffit de planter pour qu'elles poussent. Si en plus tu les arroses tous les jours, alors prépa... Ah, tous les jours. Où est ma liste à faire tous les jours? Arroser les fucking fleurs. C'est noté. Prépare-toi à les voir proliférer et se croiser pour donner naissance à des rares et merveilleuses couleurs. Comment les arroser, te demandes-tu? Facile, je t'ai envoyé le plan pour fabriquer l'arrosoir. Mon trésorier voit d'un mauvais œil le fait que je distribue gratuitement ce genre de choses. Mais tu as capturé de jolis spécimens pour moi, alors je ne fais que te renvoyer l'ascenseur insulaire. J'espère que tu m'apporteras d'autres trouvailles, cela fait partie des joies de la vie insulaire. Ok, il nous reste encore le papillon à lui donner, non? Où ça? Non, je lui ai déjà donné la... Oh, je sais plus. J'ai un appel, un instant. C'est le cinquième truc qu'on lui donne, non? Je sais pas, j'ai vu quelqu'un dire qu'il fallait 5. Thibou, c'est toi? Tu tombes à pic. Tu te souviens de ce projet aussi risqué qu'excitant?
dont je te parlais, eh bien, c'est en excellente voie. Je me trouve actuellement sur une île que nous avons baptisée Coloquinte. La faune y est aussi abondante qu'on peut l'imaginer. Je te l'avais bien dit. Combien d'espèces actuellement ? Exactement. Malheureusement, je ne peux encore répondre précisément. Mais j'ai d'ores et déjà reçu, voyons, 5 remarquables spécimens. Voilà, il me semble qu'il y avait une histoire de 5. Comment tu es sûr ? Voilà qui ouvre de fascinantes perspectives. Il faut que je te laisse. Je suis avec un client. Fallait que je réponde, c'est mon ami Thibou, le conservateur de musée. Figure-toi qu'il va venir sur notre île pour nous aider à recenser ainsi qu'à protéger la faune locale. D'ailleurs, il aura aussi ton rôle à jouer. Tu auras aussi ton rôle à jouer. Ok, bon, Thibou. J'aime bien ce nom. Toi qui connais déjà les lieux comme ta poche, pourrais-tu trouver un emplacement pour Thibou? Ah, Thibou, je le kiffe. Il va être juste à côté de moi, tante. Garde à l'esprit que nous bâtirons un musée d'envergure mondiale. Ou peut-être pas juste à côté de ma tante. Ok, ok, ok. Il faut donc un vaste terrain. Quelle joie de voir cet excitant projet prendre forme. Ok, il sera peut-être pas juste à côté de ma tante. Toi, tu vas acheter mes oranges. Je vends 2 stacks d'oranges, comme ça, clac. Mmh. 2000 clochettes! 2000 clochettes! C'est 1000 clochettes le stack! Allez! À propos des fruits que tu viens de me vendre, en mangeant un de ces fruits, tu sentiras une force rare te parcourir. Quelqu'un t'en a déjà parlé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le bon outil, tu pourrais bien être capable de briser des rochers ou d'éterrer des arbres. Waouh! Libre à toi, ça c'est les pouvoirs de la vitamine C. Hein. Libre à toi de vendre des fruits, mais je te conseille quand même d'en manger de temps en temps. C'est 100 clochettes le fruit de ton île. Tac, tac, tac. Fais péter les miles. Pas mûr. Il y a des titres marrants, je trouve. L'arrosoir, bois tendre. Il y a le bois tendre, le bois dur, le bois et les branches. Tu vois, il y a plusieurs sortes. Hein. Alors, attendez, j'ai envie de dépenser un tout petit peu. Mais alors, qu'est-ce qu'on va acheter ? Du bois caractériel. Non, le flamand, il est pas beau. Un évier utilitaire. Je pensais que j'allais avoir des petites infos, tu vois. Si rien ne te plaît, économise. Bah... J'ai envie d'acheter ça. L'article sera livré chez toi très bientôt par voie postale. J'ai juste acheté ça pour rajouter un petit peu... Je sais pas, c'est vrai que tout à l'heure quelqu'un l'a proposé et... Je sais pas. Ça rajoute un petit truc. Non, j'aime pas les couleurs du pull. En mini-short, ça doit être quelque chose. Ouais, mais il est cher le mini-short, non? Il est trop cher. Ouais, 1120, c'est trop cher. Je crois que d'avoir acheté, ça me permet d'avoir aussi des miles.
vrai des branches, non? Faut que je fasse une hache. C'est 5000, je crois, pour rembourser le prêt. Hein. Ah, mais attendez, il faut que je secoue les arbres, en fait. Ou pas. Ah! Combien il fallait de rochers? Un seul, non? Un seul. Oh, casquette militaire. Ah mais ça, ça va m'enlever mes cheveux jolis. C'est marrant, ça n'a pas du tout la même tronche. Ah non, là on enlève tout le charme. Début de romance avec Napoléon, non. Non. Clairement, Napoléon, c'est non. Ouais, je suis encore plein, ouais. Là, ça manque de place dans cet inventaire. Que voulez-vous? Ah oui, c'est vrai. Non, c'est beaucoup trop cher, ça aussi. Ah ça, on aurait pu les placer, ça nous aurait débarrassé, hein. Je sais pas ce que c'est que ça, tu vois. On va faire la hache. Ouais, c'est des coquillages, mais est-ce que je les vends? Est-ce que je les garde? Je sais pas. Ah, c'est à donner au musée. Faut du bois tendre. Et du coup, il les prend, lui? Ou quand le musée sera là, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Soir, Tanina. On va poser les feux de camp, on va peser le truc de pneus.
On va se débarrasser un petit peu de notre place dans l'inventaire. On va refaire de la place, quoi. Bah écoutez, pour le moment, j'apprécie, hein, tranquillement. Enfin, c'est ce dont je... Enfin, voilà, c'est ce que je... Voilà. C'est clair? C'est ce que je pensais que ça allait être. Attends, j'ai pas récupéré mes miles. Tout ce qui grouille. C'est où? Il est où mon truc? Bah, j'ai rêvé? Non, il m'a pas dit que... Ah, mais c'est juste des nouvelles cartes, c'est pas forcément qu'il y avait quelque chose. Oh, le fausse blague. On se brûle pas, c'est ça qui est beau. Oh, trop bien. Bon, ça fait un peu... Enfin, ce pneu-là, je l'aime pas trop. Hein. Je pense que je vais le vendre. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait les tourner. Hein. J'ai vu tout à l'heure avec la Switch. C'est une boîte. Oh, c'est pénible ça. Si on mettait un feu de camp à l'intérieur. Nos problèmes. Nos problèmes. Ah oui, il faut qu'on pose ça aussi. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Profiter de cette OST là. Je vais mettre ta lampe sur la caisse normalement. Ah, faudrait qu'on essaye ça. Ça fera office de table. Comme il est chou avec ça sur la tête. Donne-moi des points, toi. Donne-moi des points. Où sont mes points? Ok, très bien. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Oh. Oh! Et du coup, je suis moche. Je suis moche.
Ah, j'ai cru que ça allait recommencer là. Ah oui, on peut courir avec B. Oui, oui, j'ai vu tout à l'heure. Merci, j'aurais dû faire ça. Merci, Bad Boys. Désolé de te faire utiliser un soutien pour ça. Ah, coucou, Horus. Je viens d'arriver, du coup, je reprends le live depuis le début. Quand je verrai ce tips, alors le live sera sûrement fini. Merci encore pour l'envoi, cœur cœur, surtout. Des besoins. De rien, Horus. Merci à toi d'être là et... coucou à toi du passé, présent, futur. J'ai cette tête depuis hier parce que je n'arrête pas de me faire piquer. Merde, ça reste longtemps, ça. On pouvait les attraper. Ah, ça, j'avoue, on aurait dû faire ça. Mais faut être vachement rapide parce que... faut switcher. Faut un remède. Ah, c'est vrai. D'accord. Oui, mais si ça coûte, je préfère être moche et riche. En fait. Résistant, ouais, ouais. Ah oui, du coup, si je me refais piquer, là, c'est foutu. Tiens, je mettrais bien le musée ici, c'est grand, là. Sauf qu'il y a ça. Oh! Oh! Sale bête. Sale bête. Sale bête! Ah, mais prends pas ça à la main, comme ça, là! Dégueu! À 1000 pattes. 500 paires de chaussures. C'est quoi, ça? Pièce de 100 clochettes. Il faut la prendre au filet, ou tu veux pas l'attraper, là? Ou alors je... qu'est-ce que je fais? Lâche. Ah mais non, parce que j'appuie pas sur le bon bouton, je suis insupportable. Excusez-moi. T'as pas encore croisé les tarentules? Ah bah oui, quelqu'un en parlait des tarentules. D'accord, il y a vraiment des tarentules, génial. Sympa votre jeu. Très détente. Vas-y, pose-toi là, mon gars. Ah bah oui, on est beau. Thibaut a désormais un emplacement où il va pouvoir s'installer. Bon bah, ça viendra petit à petit, alors. Alors, moi, ce que j'aimerais... oh, il n'y a pas assez de place dans ce truc. Need guêpe. Qu'est-ce que je veux? Des miles. Toujours plus de miles. Bûcheron. Ce que je veux, c'est... non, c'est pas ça. Je m'en sors plus. C'est faire un arrosoir, je vais arriver. Ah bah, j'ai pas assez de bois tendre. Je veux faire un arrosoir pour planter mes machins choses. Raté. Pour les choper, approche-toi doucement en enfonçant B avec le filet, sinon elle te saute dessus. Allez, les araignées.
Tu vois, faut pas forcément me dire ça. Enfin, c'est gentil d'essayer de m'aider, mais là, par exemple, faut pas forcément me le dire. Je sais, c'est pas simple. Je vous demande de m'aider et en même temps de pas me donner les solutions. Donc, essayez de me laisser faire mes propres erreurs. C'est plus marrant, justement. Sinon, je ressemblerais pas à ça. Mais c'est gentil, merci. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas très grave. Je crois qu'il y a pire dans la vie que de... de se faire spoiler que une tarentule te saute dessus sur Animal Crossing. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, vu que j'ai mis le camp. T'as trouvé un emplacement convenable pour Thibou? Oui. Je savais que je pouvais compter sur toi, merci. Je vais tout de suite dire à Thibou qu'il peut venir poser ses valises ici. Dès qu'il le souhaitera. Je viens à peine d'arriver. Tu viens à peine d'arriver. Alors, je ne veux pas t'embêter avec ces histoires. Je ne ferai pas la fine bouche si tu engranges les miles, Nook, et que tu me rembourses rapidement. Je connais quelques techniques pour ramasser les miles à la pelle. Alors, n'hésite pas à demander. Comme avec une pelle, par exemple, non? C'est pas l'idée? Pas la saison. Cet inventaire. Ah maintenant. Ah oui, c'est ça que je veux. Je fabrique et après j'en fais quoi? Merci Bad Boy, c'est gentil. Oh, t'es passé en Golden Membre, incroyable. En fait, je voulais lui donner le scolopendre, là, le mille pattes. Mais en fait, ça se donne à Thibou. Mais Thibou, il est pas là, encore. Il me saoule. Donc, soit je vends les trucs là, mais non. Le désarroi. Si j'achète un plan, est-ce qu'on t'en propose un autre? Je ne sais pas. Alors, attendez. Est-ce que j'arriverai à faire quelque chose comme ça? Planter! Ah oui, mais... C'est foutu? Retirer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais elle est là. Je comprends rien. Maîtrise. Elle brille, donc ça veut dire que c'est bien. Je ne sais pas. Mais non, mais tu me les plantes pas où je veux, là. Tu m'agaces. Oh, je suis en train de m'énerver, là. Attendez. Je voudrais, s'il vous plaît, déplanter. Ça, est-ce que c'est faisable? Est-ce que je peux enlever ce que je viens de planter pour le remettre là?
quand elles brillent, c'est qu'elles sont arrosées, ça j'avais compris du coup. Peut-être avec une pelle. Oh non, mais j'ai pas de pelle. Aïe aïe aïe, j'ai pas de pelle moi. Bon bah c'est pas grave, nos premières fleurs seront ici. C'est bon. Appuie sur Y, sinon essaye de le bouger avec A. Bah non, ça fait pas comme les autres objets. Non. Ah, ouais, je me suis planté. Appuie sur Y à côté de la plante sans rien dans les mains. Merde. C'est non. C'est pas grave, tant pis. Ouais, je me suis fait piquer. Et lui, il vient quand? On déplacera les fleurs après, ok. Quand elles auront un petit peu poussé, quoi. Ok. Les panneaux d'affichage, ouais, ouais, ouais. Je pense pas... Non, y a rien de nouveau. Bien, 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 bien. Cent. Oh la vache. Moi j'aimerais de la place dans l'inventaire. Là vous me conseillez de quoi? De vendre ces objets? Genre je vends un peu tout, on s'en fiche. Le pneu je veux le vendre, il m'intéresse pas. Je trouve pas ça beau. L'humilpad je vais le garder. Mais genre le papillon qu'on a déjà donné en triple exemplaire. Mais chez toi ce que tu veux garder et vends le reste. Bon, on va partir sur ça. J'aimerais rembourser mon prêt avant qu'on se laisse. Alors, je sais pas, il manque quand même encore pas mal. Ok. Alors, on va vendre les mauvaises herbes, on va vendre le papillon, ce que je ne veux pas, je l'ai déjà utilisé plein de fois. Je veux vendre ça. On va vendre ça, on les a récupérés sur la plage, on en retrouvera d'autres. Le pneu, il m'intéresse pas. Casquette, on peut la laisser à la maison, à la limite. Nono, tu peux poser les insectes au sol en attendant que Thibaut soit là. Donc genre le mille-pattes. Ouais mais fruits, mais j'ose pas. On va vendre le pack de 10. Déjà ça fait de la place. C'est trop tard, le nid gap est parti. Voilà, on va poser des trucs à la maison. Les branches, j'aurais peut-être pu... Ou si je les pose chez moi, ça dispawn pas, c'est ça? Mais si je les pose dehors, ça dispawn?
La casquette, on va la poser. Placer. Si tu mets placé, ça disparaît pas même dehors. Oui, il y a un feu de camp chez moi, hein, si jamais vous vous posiez la question. Mais c'est pas grave, il y a une bonne aération. Ah non, lâcher. Ouais, ça m'a, ça, y a pas placé dehors. J'ose pas lâcher les trucs. Vous me dites quand même que c'est bon, mais... J'ose pas trop. Placer. Est-ce que je peux mettre ma feuille sur la... truc là? Bon, en tout cas, on a un petit peu plus de place. C'est tout ce que je voulais. J'ai une poussière dans l'œil, ouais. C'est ça, ouais. C'est beaucoup trop loin, là. Bon, vous savez quoi, on va couper du bois, hein. Ah, trop tard. I'm dead. J'ai eu des points. Ça nous remet à la maison. J'ai voulu le sortir mon truc là de... à papillon, mais... Oh non, j'ai cassé ma hache. Ça casse, ça paye. Ok, on est presque à 5000 miles. Il me refait un caillou. Et des branches. Dans les 4. Il en fallait 5, je crois, non? Ok. Arrêtez pour l'instant. J'entends des bruits chelous chez moi. Ah mais c'est parce qu'il est 20h, je crois. Ouais, les gens applaudissent à 20h, effectivement. Mais j'entends de la musique, surtout. J'entends quelques personnes qui font du bruit, mais...
J'entends de la musique. Clap, clap. Eh, faisons des claps, nous aussi. Y'a pas de raison. Ah mais c'est 100 bouts de bois, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour récupérer 600 miles? En capturant des insectes. Donc le papillon qui est tout le temps là devant, à la limite. Enfin, qui est souvent là. On peut peut-être s'en profiter. Il est plus là, évidemment. Ah. Oh non, pas toi. Merde. Ah, super. Ça, c'est sûrement parce que je lis le chat. Toi, je t'aime pas. Tout à l'heure, j'ai réussi à avoir des insectes. Oh. Meilleur raccourci du monde. Aller dans le mauvais sens. Non. On l'a jamais eu celui-là, non? C'est bien, il nous faut d'autres espèces. Le pêcheur, on est à 6 sur 10. Et... remplis le bébé de... Ah oui, mais ça arrivera aussi. Tout ce qui grouille, 3 sur 10. Oh, mais ça, faut les donner à Thibou. 6 sur 10. Me fait snobber, violence. Oh putain. Hé hey. Quoi tu joues toi? Je suis sûr que c'est un vieux pneu en plus. Bam les fleurs. Ouf. Pas tout de suite. Trop tôt. Sinon... Plan
planté des fleurs. On en a planté 3. Adieu les mauvaises herbes, tiens. Ah, tiens, on est presque à ça. On va faire ça. Ah, il y a une récompense pour écrire sur le panneau. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, mais je sais pas quoi mettre, moi. Donnez-moi des sous. Le plein là. Non, toujours pas. Merde, c'était pas ça qu'il fallait faire. Fallait les vendre. Ouais, mais tu vois, j'ai pas envie de créer un message. Non, ça va pas. Je veux pas faire le message. Vendeur d'herbe, ouais, bah ouais, bah ouais, on va faire ça. Voici un beau paquet d'herbes. Prends les oranges, tu sais quoi. Ça me fatigue. On m'a dit de pas vendre le nid de guêpe, mais il me prend de la place. Après, faut en faire 200, donc elle a... ça peut se faire, mais c'est pas l'activité la plus folle. Non, faut qu'on termine sur les papillons ou la pêche, tout simplement. Et puis on aura les 5000, on rembourse, on voit ce que ça fait, et on arrête ce stream pour aujourd'hui, qui aura duré moult heures. Je sais pas quand j'ai commencé, à 17h peut-être. Mais il y avait un poisson là, non? Ah, ah. Oh, ma canne a cassé. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une canne? 5 branches d'arbres. Non. Attendez. Expérience. On verra s'il dispose un jour ce truc. Ah oui, un instant de gaming, instant promo. Ah, il y avait un papillon. Adieu, papillon. Trois bâtons, trois ficelles. Si les gens vous embêtent dans le chat, hein, les modos, vous savez quoi faire. Hein.
Vous savez quoi faire. Poum ! Allez, un gros coup dans sa tente. Qu'est-ce que je voulais faire ? Refaire une canne. Ouais, mais vous faites plus que du... C'est pas la suppression qu'il faut faire, c'est le time-out. Eh bah, tu time-out... Si time-out 10 minutes, ça va pas, tu time-out 3 heures. Tout simplement. Tu regardes combien ça fait, 3 heures en seconde pour le timeout et boum, tu balances timeout. C'est pas grave du tout, hein. Moi ça me dérange pas. Si les gens vous embêtent, parce que j'ai pas trop les yeux sur les chats, donc moi, ça m'atteint pas trop. Mais si ça vous embête... Je suis un peu dans mon truc, moi. Oh, on m'applaudit à côté. Voilà, 10 800 secondes. Allez, boum. Non, mais si le time-out de 10 minutes ne suffit pas aux gens pour comprendre qu'il ne faut pas me dire quoi faire... C'est pas vous qui jouez, c'est moi. C'est ça. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir dans le chat, et moi compris. Voilà. On râle juste entre nous, dès que ça marche. Vous le faites déjà. Ouais, c'est ça, je suis à fond dans le remboursement, donc est-ce que c'est si paisible que ça? Au pire, tu cliques random sur les chiffres, voilà, tant pis si ça fait 10 heures. Non mais c'est ça, si le problème c'est difficile parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui veulent aider, enfin... Je comprends aussi que les gens veulent aider, tu vois, s'il y a un truc que je comprends pas, enfin, je le comprends, mais... C'est difficile à juger quand même, en tant que modérateur, de dire « ça c'est sympa et ça c'est chiant ». Où j'en étais, moi? Je voulais des insectes et des poissons. Si notre râlage se rapporte à notre plumage. Ouh, il est gros lui. Je trouve qu'il est gros, non? Oh, il n'y a plus de place. Oh, laisse tomber. Il me saoule cet inventaire. Tu vois, je me dis, ah, c'est rare, faut en faire quelque chose, mais... ça me prend une place, puis j'ai pas envie de poser tout ça à la maison. Bien, il reste de poissons à avoir, un ou deux, non? Un seul, et on aura 300. D'ailleurs, j'espère que ça donne 300. Je suis même pas certain.
Oui, l'inventaire, je doute pas qu'on puisse le l'augmenter. Oh, ce snob là, toujours. Ah oh, putain, non, je me suis... Oh. Toi. Ouh, toi. Une godasse. Est-ce que ça compte? Tu pourrais la porter si tu avais une deuxième godasse. Ça te donne une idée de plan de bricolage. Ah bah super. Ça compte pas dans la pêche, mais... Mais ça m'a fait déchets pêchés. Donc... ça fonctionne. Nous avons 5000 miles. Déjà, je vais vendre 2-3 trucs. Tiens, prends mes cailloux, là. Prends mes deux papillons. La chaussure, on va la garder. Prends donc ça. Je sais pas, je vends ça, mais je sens que je vais le regretter un jour, mais... Je crois que je sais plus si je les ai déjà donnés ces poissons. Attends. On va quand même se refaire la tronche, non? Ah. L'achat qui rapporte. Bah Lovely Lou, c'est totalement ça malheureusement, il faudrait que tu restes dans ton coin en disant trop nul s'il savait. Et je râle pas, franchement je râle pas. Je vois que tu dis ça là, difficile de l'aider sans rien dire. C'est pourtant ça l'idée justement, c'est de se dire ah s'il savait. C'est totalement ça justement. Qu'est-ce qu'on fait avec ces godasses en fait? J'ai pas bien compris. J'ai un plan pour faire des godasses. Ah, des bottes recyclées. Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Mais encore une fois, je comprends que des fois, c'est pas clair cette notion d'aider ou de pas aider. Enfin, des fois, je suis sur des streams de gens qui galèrent. Et j'ai envie de dire un indice ou quoi, je peux te dire ça. Non, faut pas. Parce que les personnes... Enfin, si les personnes ne veulent pas. Hein. Il y a des gens qui veulent qu'on leur dise tout de suite. Puis si je le demande, ok, là, faut le dire. Mais c'est complexe. On va devoir revenir au mot de passe permettant le backseat parce que les gens ne comprennent pas. Je comprends que ce soit pas simple à comprendre non plus. Voilà. Alors du coup, on va lui rembourser ses trucs, lui. Je viens m'acquitter de mes frais. Voilà pour toi.
Tes frais d'installation sont désormais épongés, c'est un grand jour pour nous deux. Te voilà déchargé de tes dettes, libre de folâtrer sur cette île florissante. Que demander de plus? C'est une vraie question, mais laisse-moi te la formuler autrement. Tu n'es pas à l'étroit dans ta tente? Faut avouer... Navré d'entendre ça, mais enfin, personne n'a jamais dit qu'il était facile d'établir un paradis insulaire. D'ailleurs, on ne fait pas les choses parce qu'elles sont faciles. On les fait parce qu'elles rapportent. Évidemment. Évidemment. En tout cas, si tu commences à te lasser de ta tente, je crois que... Oui, l'heure est venue de parler de bâtir des demeures personnalisées. Certes, c'est un défi d'édifier des maisons dignes de ce nom dans un endroit aussi isolé. Un défi avant tout financier, cela va sans dire. Mais quand on bénéficie d'un taux à 0% et d'un plan de remboursement très flexible, rien n'est impossible. Si l'envie te prend d'avoir un nouveau chez toi, tu sais à qui t'adresser. Dernier détail, nous proposons un service d'échange de Miles Nook que tu as accumulé. Hein? Il te suffit ainsi d'accéder au Nook Stop pour profiter d'un tas de choses en moyennant quelques miles. Je compte sur toi pour y jeter un coup d'œil au plus vite. En attendant, continue à prendre du bon temps grâce à notre formule d'évasion. Très bien, et du coup je peux faire des trucs avec mes miles maintenant. Notre service d'échange de miles est très présent activé sur votre compte. Nous te remercions et espérons que tu continueras à apprécier les divers avantages du programme Miles Nook. Échange de miles. Oh bah voilà. Livraison immédiate, motif, fabriquer des bons outils, guide. Exclu Miles Plus. Ah merde, j'ai pas ça en fait. Je crois que je l'ai vu chez Dame Dame ça, qu'elle avait reçu un Miles Plus, service plus. Ok. Sac à dos. Ça peut pas augmenter mon inventaire, ça? Des murs. Oh là là, tu vois. Oh, il est joli celui-là, la grosse feuille. Très bien. Je me dirige gentiment vers ma tente et je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Non? Il ne se passe rien. Non, attends. Attends. Je check ça parce que j'ai vu qu'on avait un nouveau. Sauter. Je comprends pas. Attendez. Dans les commandes, il y a R pour sauter. Ça veut dire quoi, R pour sauter? C'est bizarre comme commande, ça, non? Ah! Ah oui, parce que j'ai appuyé sur L, moi, comme un connard. D'accord. Ok, d'accord. Très bien. Je pense, chère audience, qu'il est temps de se laisser. Ah. Écoutez, c'était effectivement très détente. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas si je continue en stream. Je ne sais pas si je continue tout court pour le moment. Je pense que oui. Au moins, je continue tout court, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire, tout simplement. L'audience est détendue. J'ai peur qu'au bout d'un moment, il y ait trop de choses pour moi. Trop d'objets, trop de déco pour moi. J'ai peur de ça. Je pense que pour le moment, ça va parce qu'il y a quelques objets et j'ai peur qu'il y en ait trop. À voir. Mais j'ai du mal quand il y a trop de trucs. Genre dans les Sims, par exemple, j'aime pas faire de la déco parce qu'il y a trop de trucs. J'aime bien faire de la déco dans les jeux où il n'y a pas grand chose, comme ça tu t'arranges. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Bon, pire, c'est pas le plus gros problème. En tout cas, j'aime bien. C'est ce que je pensais que ça allait être.
Ça se dit, c'est ce dont... C'est ce... Enfin bref. C'est tranquille. Les persos, je suis toujours un petit peu réticent sur le design, mais bon, je pense que j'oublierai vite. C'est ce à quoi tu t'attendais. Oui, voilà, c'est ça. Ce à quoi. C'est ça la phrase. Faire des puits de lumière dans Minecraft. Bah tu vois, dans Minecraft, il n'y a pas tant de blocs que ça. Et encore aujourd'hui, maintenant, il y en a trop. Enfin trop, il y en a plus. Avant, justement, j'aimais bien trouver les petites astuces avec les blocs, parce qu'il n'y en avait pas tellement. J'aime bien quand il n'y en a pas trop. Donc, je suis content de l'avoir fait. Je suis satisfait. Voilà, merci d'avoir été là. Je sais que c'était difficile avec les astuces et les gens qui se font time out, parce que je demande à ce qu'on ne me donne rien, mais néanmoins, des fois, je lis une astuce et je dis « Ah oui, merci, ça, c'était sympa. » Du coup, c'est pas clair. Voilà. Partez du principe que... Si je demande pas d'aide, essayez de me laisser galérer, tout simplement. Générique, non, je n'ai pas de crédit. J'ai pas de générique, j'ai rien. Voilà, c'est plat, c'est... c'est tout ce qu'il y a. Y a rien. La rediff sera sûrement dispo demain. Donc, samedi après-midi. Un truc comme ça. Un petit son pour la fin, je sais pas ce que j'ai là. Faudrait que je me récupère un son catching. Les astuces, c'est bien quand ça nuit pas à ton expérience. Oui, c'est ça. Je sais plus ce qu'il y avait tout à l'heure. Un truc tout bête, mais... appuyer sur la flèche du bas pour changer de raccourci rapidement. Ça, par exemple, oui. Ça, c'est évident que c'est bien de me le dire. Me dire, par contre, qu'il faut faire attention quand il y a une tarentule, je crois, et qu'il faut y aller doucement. Faut pas me le dire. Vaut mieux me laisser galérer. Voilà. Merci d'avoir été là, merci beaucoup. Je crois que vous étiez assez nombreux quand même. Merci pour vos messages de soutien aussi. J'espère qu'on a un petit peu tous ensemble oublié toute cette période chelou. Merci pour vos soutiens financiers, pour les nouveaux sponsors qui sont arrivés. On se retrouve bientôt, peut-être demain soir un nouveau stream, mais je ne sais pas sur quel jeu. Je sais que j'avais dit que je ferais un jeu indé, mais j'ai une petite envie depuis un ou deux jours... qui est de refaire Life is Strange 2 en mode Bad Boys. Donc peut-être que je ferai ça, commencerai ça demain soir, je ne sais pas. Voilà. Des bisous, portez-vous bien, bon appétit, bonne soirée, bonne vie, bonne tout. À bientôt, merci, bye bye.